Juste pour vous rappeler en quelques mots sa genèse, en fait, ça s'est fait. On se posait la question de savoir ce qu'on allait être en capacité de présenter au musée pour la prochaine exposition, parce que la programmation était. On n'avait rien dans notre programmation qui était prêt. Grâce à notamment Anne-Laure, enfin, c'est surtout grâce à Anne-Laure Carré, l'idée de travailler sur ce corpus d'objets, donc les modèles de Madame de Genlis, qui étaient en réserve et qui sont quand même des objets absolument exceptionnels. Grâce aussi au travail antérieur qui avait été réalisé par Anne-Laure, mais également par Dominique Ferriot, qui était directrice du musée il y a fort longtemps et à qui on doit le musée d'aujourd'hui. Le projet a été rendu possible parce qu'en général, ce qui nous demande un gros travail de recherche, une partie du travail avait été réalisée et s'est mis en place une équipe assez exceptionnelle et je les remercie. Donc Anne-Laure, Livia qui est ici et Anaïs qui est en train de nous écouter, celle qui m'a mis un casque. Hein. C'est grâce à elle qu'on arrive à parler aujourd'hui. Donc toutes les trois ont fait la Dream Team qui ont rendu ce projet possible avec une énergie absolument exceptionnelle et avec ce lien entre la pédagogie par l'objet. Donc en fait, c'est effectivement aujourd'hui l'idée qui était sous-jacente, qui est quelque chose qui est important pour le CNAM, hein, puisque quand l'abbé Grégoire a imaginé le CNAM, une des idées, c'était de permettre l'apprentissage et la formation par l'objet. D'ailleurs, pour ceux qui viennent au musée des arts et métiers, quand vous parcourez les salles, vous voyez dans nos salles ces petits rails qui vont même jusque dans la chapelle. Et devant la machine de Marly, vous voyez aussi un petit chariot. Et en fait, ces chariots servaient à transporter les modèles dans le musée pour les enseignants. On voit bien que la pédagogie par l'objet, elle est consubstantielle au CNAM et donc au musée. Et donc, travailler là-dessus avec Madame de Genlis, c'était aussi nous interroger sur comment est-ce qu'on apprend par l'objet. Pour ma part, je venais du musée de la Marine. On a aussi des modèles d'instruction. Au musée de l'armée, il y a aussi des modèles d'instruction. Donc, l'instruction par l'objet, c'était quelque chose de très important. Donc, en fait, on s'est aussi dit, mais puisque le sujet, c'est effectivement la personnalité de Madame de Genlis, mais aussi la pédagogie par l'objet, il faut que ça transpire dans la scénographie qu'on va mettre en place. Et effectivement, grâce à Livia notamment, mais à toute l'équipe, on a développé un certain nombre d'outils in situ de manipulation, c'est-à-dire que chaque modèle a une manipulation associée. Et c'est quelque chose qui est. Enfin, on a décidé de faire quelque chose de très interactif pour que le visiteur puisse devenir partie prenante de son apprentissage en manipulant et en faisant un certain nombre de choses. Donc, ça va au-delà du sujet, ça va vraiment dans le parti pris scénographique et de transmission qu'on a choisi. Aujourd'hui, donc, il y a autant, enfin, il y en a même plus de manipulation que de vitrine, enfin, que de vitrine de Madame de Genlis. Tout ça monté par les médiateurs à destination des publics. Alors, cette exposition, elle a joué de malchance, enfin, comme on ne va pas être les seuls en France, hein, puisqu'on l'a ouverte, puis on l'a confinée aussitôt, et on va rouvrir, on va l'ouvrir une semaine, et on la refermera presque aussitôt, parce que malheureusement, des travaux vont avoir lieu au musée, donc il va falloir le faire. Voilà, donc tous ceux qui n'ont pas vu l'exposition, je vous incite à venir. Il vous restera une petite semaine. L'avantage, c'est que le musée sera gratuit, donc vous pourrez rentrer. C'est vraiment une très belle exposition, à la fois très riche d'enseignements et sur lequel on voit des œuvres, oui, on va appeler ça des œuvres absolument exceptionnelles et très spectaculaires, extrêmement spectaculaires, dans une scénographie à la fois très dépouillée et qui les met parfaitement en valeur. Donc, je voulais d'abord faire un petit topo sur cette expo, mais surtout remercier Livia, Anaïs et Anne-Laure, qui sont les chevilles ouvrières de ce projet. Je voulais aussi remercier tous les participants à cette journée d'études, bon, bien sûr Delphine qui nous aide à la faire, et tous ceux qui vont participer, notamment Bruno Blassel, ancien directeur de la bibliothèque de l'Arsenal, qui va présider cette matinée autour de Madame de Genlis. La matinée de vendredi étant, elle, consacrée plutôt aux modèles, hein, et aux modèles d'instruction dans toutes leurs dimensions, de leur usage à leur matérialité et notamment leur restauration, puisque Rémi Catillon interviendra.
Voilà, donc je voulais vraiment remercier tout le monde. Je voulais aussi remercier particulièrement Martine Red, avec qui on a beaucoup travaillé, notamment sur cette journée d'études, mais aussi sur le catalogue. Alors, je ne sais pas si on a un visuel du catalogue. Toujours est-il qu'on enverra un catalogue à tous les intervenants, bien évidemment, et que ceux qui souhaitent... voilà, donc c'est un très joli catalogue, très illustré, très accessible, qui fait vraiment la part belle et à l'état des lieux et à beaucoup d'ouverture autour de la personnalité de Madame de Genlis, autour d'un certain nombre de sujets. Voilà, donc je vous le conseille. Donc on l'enverra à tous les intervenants. Et si vous voulez l'acquérir, soit c'est au musée, soit je pense qu'on est en train de monter une boutique en ligne, donc vous pourrez... vous pourrez l'avoir également. Voilà, donc je voulais vous remercier tous ce matin, Bruno Blassel, Livia, Martine Red qui vont intervenir, François Bessire également, qui est directeur des presses universitaires de Rouen et du Havre, avec lequel nous travaillons pour les actes de cette journée d'études qui seront normalement publiés, avec Marie-Emmanuelle Planol-Yéval, qui est professeur de littérature française, et Dominique Julia, historien, qui va aussi nous parler de l'éducation des enfants d'Orléans. C'est aussi un sujet qui est cher au CNAM, parce que je pense que derrière la personnalité de Stéphanie Félicité Genlis, il y avait une personnalité très paradoxale, à la fois très avant-gardiste, on pourrait même dire presque féministe et très conservatrice. Et en cela, elle nous interroge aujourd'hui. Je pense qu'elle n'a pas fini de nous interroger parce que je pense que c'est une figure extrêmement forte, peut-être pas suffisamment connue de cette période de la fin du XVIIIe. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vais peut-être passer la parole peut-être à Bruno Blassel s'il veut dire un mot parce qu'il est sur la présidence de cette matinée, et puis après, à tous les intervenants, et je pense que vous allez vous régaler sur une journée, sur deux demi-journées extrêmement riches. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en aurais une. Après l'exposition, est-ce que les maquettes seront de nouveau visibles au sein du Musée des Arts et Métiers ? Alors, c'est une question qu'on se pose avec Anne-Laure. En fait, aujourd'hui, elles ont été visibles dans la salle dite Madame de Genlis. Demain, à l'issue de l'exposition, elles retourneront en réserve parce qu'on n'a pas encore défini comment elles seraient présentées. Il est certain qu'il faut qu'elles reviennent au musée. Sous quelle forme, on ne l'a pas encore défini, mais c'est une réflexion qu'on engage avec Anne-Laure Carré. Très bien. Peut-être qu'on alternera, peut-être que ce serait intéressant aussi de faire des focus maquette par maquette pour expliquer les métiers, parce que c'est aussi intéressant. Voilà, mais en tout cas, oui, il faut qu'elle sorte des réserves. Sous quelle forme, on verra. Merci. Donc, j'y vais. Oui. Voilà, bien, merci, Madame Essignat. Je voudrais donc dire quelques mots très bref pour introduire cette journée. Madame de Genlis est entrée dans ma vie, si je puis dire, un peu par hasard, il y a quelques années. J'étais alors bibliothécaire à l'Arsenal, et la pièce à côté de mon bureau s'appelait le Salon Genlis, car c'est là, selon la tradition qu'on suppose juste, qu'elle recevait ses hôtes, qui étaient souvent des hôtes de marque, entre autres des autres de marque comme Chateaubriand, Talleyrand et bien d'autres. Elle avait obtenu ce logement au sein de la bibliothèque grâce à la bienveillance de Napoléon, et elle y est restée une petite dizaine d'années. J'appris donc alors à connaître Madame de Genlis. Sa vie à l'Arsenal, d'ailleurs, fut plutôt tumultueuse, ne serait-ce que par ses démêlés avec les bibliothécaires. Son appartement jouxtait les salles où le public était accueilli, et la cohabitation fut difficile, d'autant que, comme au siècle précédent avec la Bibliothèque royale, elle avait elle avait besoin de consulter les ouvrages et oubliait parfois de les restituer. Et comme le bibliothécaire de l'Arsenal, à cette époque, n'était pas particulièrement bienveillant avec elle, il lorgnait en fait sur les espaces qu'il occupait dans la bibliothèque,
les relations se tendaient régulièrement. Alors, de mon point de vue, une personne qui se permettait d'écrire sur les livres de la bibliothèque, puisqu'elle s'en est vantée, méritait une enquête. J'ai donc un peu essayé d'explorer plus en détail la vie de Madame de Genlis et de faire un peu plus sa connaissance, aidée d'ailleurs en cela par l'accueil du colloque qu'avait organisé en 2007 Martine Reed et François Bessire. Et j'ai comme ça pu rencontrer, croiser la vie d'une grande densité, pleine de rebondissements, pleine de courage aussi, de Madame de Genlis. J'ai découvert en même temps une écrivaine de talent, pour autant prétendre n'avoir plus lu, normalement écrit comme chacun sait, mais elle aimait et elle savait écrire. Je signale d'ailleurs à ce propos que c'était un des tout premiers écrivains français, écrivaines, dont on a conservé un ensemble conséquent de manuscrits dans les bibliothèques publiques et dans les mains privées. Finalement, on a coutume de dire que les manuscrits, que la collecte des manuscrits dans les bibliothèques a commencé au cours du XIXe siècle, on peut dire que ce souci de conserver son œuvre manuscrite, Madame de Genlis l'avait déjà. Je la connaissais mal, mais je pense que j'avais quelques excuses à mon ignorance. En effet, si elle a de tout temps, plutôt à son époque, elle a une grande notoriété, y compris européenne, comme vous le savez, elle est progressivement, sans doute, dans l'histoire de la littérature française, retombée dans l'oubli. Peut-être a-t-elle souffert d'être à cheval sur deux époques, sur deux périodes de notre histoire littéraire, que la critique a toujours nettement distinguée, avant et après la Révolution. Peut-être aussi a-t-elle souffert du fait d'être une femme. Mais depuis, de nombreux travaux ont contribué à éclairer les diverses facettes de sa vie et de son œuvre, qu'on peut dire foisonnante, car comme vous le savez, elle a abordé tous les sujets. Il y a eu la biographie de Gabrielle de Breuil en 1985, mais notamment il y a eu les travaux précurseurs de Marie-Emmanuelle Plagnol, dont la thèse en 1987 portait sur le théâtre de Madame de Genlis. Et puis, il y a eu plusieurs colloques, celui de 2006 sur les femmes éducatrices au siècle des Lumières, qui a été publié sous la direction d'Isabelle Bouard à Reims et Marie-Emmanuelle Plagnol, publié en 2007. Et puis, il y a eu ce colloque qu'organisaient donc Martine Reed et François Bessire sur Madame de Genlis, littérature et éducation. Colloque qui regroupait une vingtaine de chercheurs français et étrangers. Alors, notre sujet du jour porte sur l'œuvre pédagogique de Madame de Genlis, abordée donc par les colloques que je viens de citer, et dans le prolongement desquels, sans doute, ces deux demi-journées doivent se situer. Les intervenants d'aujourd'hui, d'ailleurs, ont largement contribué à développer la connaissance que nous avons de Madame de Genlis. Alors pour moi, qui ne suis pas spécialiste de Madame de Genlis, je formulerai cette introduction sous forme de question. Ce qu'on peut attendre, à mon avis, d'une telle journée d'études, de demi-journée d'études, c'est des nouvelles réponses à des questions peut-être déjà repérées. Mais pour autant, ma première manière d'aborder le sujet pourrait être l'étonnement. Madame de Genlis donc, s'est vue confier à ses jeunes l'éducation des filles de la duchesse de Chartres, puis des garçons de la famille d'Orléans. Et ma première question, c'est pourquoi elle ? Pourquoi a-t-elle été nommée à ces fonctions ? Avec quelle légitimité ? Est-ce grâce à ses appuis ou en fonction d'une compétence pédagogique particulière ? Pencherait sans doute vers la seconde hypothèse. Mais alors, dans ce cas, d'où lui venait cette compétence qu'on semble lui avoir reconnue ? Est-ce que cette compétence viendrait de la reproduction d'un modèle ou d'un héritage familial ? Serait-ce plutôt une démarche d'autodidacte ? Et si c'est une démarche d'autodidacte, comment s'est-elle formée ? À l'aide de quelle lecture ? Est-ce qu'à travers ses écrits et ses réalisations, d'ailleurs, on peut voir quels sont les influences, a-t-elle eu des rencontres déterminantes? Voilà, je pense que cette question m'interpelle. Quoi qu'il en soit de l'origine de sa vocation pédagogique, sans doute l'essentiel se situe-t-il
dans le repérage des modèles qui animent sa théorie. Et sa pratique. Est-ce que c'est un modèle de pédagogie active, faisant appel à la créativité des enfants, ou est-ce que c'est un modèle autoritaire? Cette question, je pense, sera abordée peut-être aujourd'hui. Quelle place fait-elle à l'observation, au voyage, à l'expérimentation, à la confrontation, en quelque sorte, avec la vie? Quelle est la part des savoir-faire dans sa méthode pédagogique, la part du livre, la part de l'imaginaire et de la création artistique, peut-être aussi la part du plaisir? Peut-on instruire en s'amusant, en amusant? Enfin, bien sûr, l'articulation avec la religion, c'est important pour Madame de Genlis. Quelle articulation avec la religion, quelle place réservée aussi à l'esprit critique? Parce qu'en effet, je pense qu'il faut aussi s'interroger, enfin je m'interroge en tout cas sur la relation de Madame de Genlis avec l'esprit des Lumières. En est-elle héritière? En est-elle dissidente? A-t-elle puisé à d'autres sources d'inspiration? Si oui, lesquelles? Quelle est sa relation au projet encyclopédique? Bien sûr, on n'oublie pas qu'elle a eu le projet tardif non réalisé de réécrire l'encyclopédie ou peut-être une partie de l'encyclopédie en disant qu'il y avait repéré des erreurs, et peut-être aussi surtout parce que des parties concernant la religion ne lui convenaient pas. Finalement, comment aujourd'hui peut-on évaluer l'héritage de Madame de Genlis? Qu'en reste-t-il, si je puis dire? A-t-elle fait école? Ce qu'elle a apporté en son temps, qu'est-ce qu'elle peut encore nous apporter? Voilà, c'est ces quelques questions que j'aimerais, qui ne sont pas forcément neuves, mais peut-être les interventions d'aujourd'hui, les quatre interventions de ce matin, devraient peut-être apporter quelques éléments de réponse et nous permettre de progresser dans ces pistes qui me semblent, pour moi, bien importantes. Voilà, notre première intervenante est Martine Reed, qui est professeure à l'Université de Lille 3. Martine, donc, vous êtes historienne de la littérature, particulièrement de la littérature féminine. Si votre période de prédilection est toujours, je crois, à la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, on peut dire que vous êtes maintenant devenue vous êtes une des grandes spécialistes françaises de notre histoire littéraire. Vous venez d'ailleurs de publier une histoire de la littérature féminine, un ouvrage tout à fait passionnant et tout à fait qui est tout de suite devenu fondamental, qui va tout de suite devenir un classique, ouvrage qui s'intitule « Femmes et littérature, une histoire culturelle », qui en deux volumes, qui vient de paraître dans la collection Folio Essai, paru il y a un peu plus d'un an, un épais ouvrage, hein, plus de 1500 volumes, dont vous avez écrit certaines parties et dirigé la totalité, avec l'aide d'un certain nombre d'universitaires françaises et américaines, et qui fournit vraiment un véritable panorama des autrices françaises et francophones du Moyen-Âge à aujourd'hui. C'est la première synthèse d'envergure, finalement, sur ce sujet. Vous aviez écrit précédemment de nombreux ouvrages et des articles sur beaucoup d'écrivaines françaises, notamment sur George Sand, dont vous avez publié une biographie, dont vous avez réédité de nombreux de textes, notamment Une histoire de ma vie. Et vous travaillez sur Madame de Genlis depuis de nombreuses années. Vous avez lié à ce colloque que vous aviez organisé avec François Bessier, dont je parlais tout à l'heure. Vous avez réédité des ouvrages, quelques œuvres de Madame de Genlis, et notamment La femme auteur. Et je crois que vous travaillez, je suis sûr même que vous travaillez aujourd'hui à une biographie de Madame de Genlis que nous attendons impatiemment. Donc voilà, beaucoup de bonnes raisons de vous écouter aujourd'hui sur votre intervention qui s'intitule « Ligne de fait d'une entreprise hors du commun ». Voilà, donc si maintenant Martine veut bien prendre la parole, ce serait très beaucoup. Bien. Merci. Et merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier Marie-Laure Estrignard de nous accueillir, même si c'est virtuellement, pour cette première matinée. Je tiens aussi à remercier vivement Anne-Laure Carré pour sa remarquable détermination
puisque les dates ont été changées plusieurs fois. On a pensé être en présence, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et malgré tout, c'est quand même le distanciel qui a été choisi in fine pour des raisons que tout le monde comprend bien. Mais je pense qu'il était nécessaire, en effet, d'ajouter à cette remarquable exposition un point critique, en quelque sorte, qui se passera en deux temps. Je tiens aussi à remercier le public, que malheureusement je ne vois pas, pour son intérêt à propos de Jean Lys et de ce projet pédagogique dont il va être question, tout au long de la matinée. Et bien entendu, je garde à l'esprit les questions très pertinentes que Bruno Blassel vient d'évoquer. Alors, il avait été prévu, il m'avait été demandé à moi de peindre à grands traits le cadre de cette entreprise pédagogique. On en a déjà entendu un certain nombre de points lors de la présentation de l'exposition, donc là vous me pardonnerez, il y a évidemment des choses que je vais répéter nécessairement. Il va de soi que les trois interventions qui vont suivre seront beaucoup plus précises et vont prendre en compte évidemment une série de détails, alors que de mon côté, évidemment, les propos que je vais tenir sont connu de mes collègues, mais je vais essayer de mettre en perspective ce qu'on sait aujourd'hui de cette question. Et d'abord, revenir sur Madame de Genlis, féliciter, puisque on sait que elle a toujours été appelée par son deuxième prénom. Donc Félicité de Genlis a une trentaine d'années, elle a exactement 33 ans quand en 1779 elle est nommée gouvernante des jumelles d'Orléans. Elle a été mariée à 17 ans à Charles-Alexis de Brulard de Sillery, comte de Genlis, et elle va d'ailleurs dans sa carrière littéraire utiliser son nom dit de jeune fille aujourd'hui Ducret, mais aussi elle va signer certains écrits, Brulard ou Sillery ou comtesse de Genlis, par exemple, à la Restauration. Elle est devenue dame pour accompagner de la duchesse de Chartres en 1772, c'est-à-dire 7 ans avant sa nomination, et réside donc au Palais Royal. On sait qu'elle a été, et il est intéressant de remarquer au passage que dès que c'est une femme, ce détail est immédiatement mis en avant, elle a été pour un temps indéterminé, vraisemblablement bref, la maîtresse du duc de Chartres, qui deviendra donc duc d'Orléans en 1785. Elle est nommée donc gouvernante des jumelles, et ensuite, en 1782, comme ça a été rappelé, elle est nommée gouverneur. Le terme est masculin parce que justement la charge est conçue au masculin, et elle insiste sur le fait qu'elle n'a que comme femme, elle n'aura jamais ni le titre ni le rang de gouverneur. Quelle formation a-t-elle? Une formation assurément hétéroclite. On sait qu'enfant et puis jeune fille, elle a beaucoup pratiqué le théâtre de société. Elle a très vite d'ailleurs composé des scénettes pour le théâtre de société, et on entendra parler du théâtre d'éducation dans quelques minutes. Il y a chez Genlis un lien particulièrement fort avec le théâtre et tout ce que le théâtre peut apporter à la formation. Donc, elle s'est formée d'abord à un petit lien avec la littérature. On sait qu'elle a joué Zahir de Voltaire une centaine de fois, notamment. Ce rapport à la littérature, il est passé par le théâtre. On sait aussi qu'elle était une excellente instrumentiste, elle est harpiste, mais elle est aussi guitariste, pianiste, et en fait elle joue une demi-douzaine d'instruments. Et enfin, on sait que dès 1759, constatant qu'elle ne savait pas grand-chose et qu'en réalité son éducation était un peu laissée en friche ou même à l'abandon, elle s'est constituée un savoir par la pratique des extraits. Alors, la pratique des extraits, c'est ce qu'on faisait, c'était une manière de retenir les lectures qu'on avait faites. On a trouvé ça au début du XIXe siècle encore chez Stendhal, il fait des extraits
en nombre et continuellement, et elle va constituer effectivement avec le temps une quantité d'extraits absolument considérable, et elle va se construire pas à pas un savoir qui assurément va finir par être tout à fait considérable. Alors elle est nommée donc en 1782 gouverneure des enfants d'Orléans, et là il faut garder à l'esprit, parce que quand on les met à plat, on est quand même étonné de la violence des attaques. C'est une époque où on adore les épigrammes, les vers, les libelles à propos de tout et de tout le monde, mais tout de même, les attaques sont particulièrement évidentes à l'égard de Genlis. On va inlassablement l'accuser d'être une coquette manipulatrice qui a réussi à faire son chemin en bousculant tout le monde parce qu'elle était la maîtresse du duc d'Orléans, etc. Et ça, ce propos-là, il va avoir la vie dure puisqu'on va l'entendre répéter par un certain nombre d'auteurs du XIXe siècle et qu'on le trouvera encore en partie aujourd'hui. Donc il y a un aspect, un véritable, j'ai un peu l'impression, enfin, d'une sorte d'écran qui calomnie encore, encore et encore les pratiques et la vie d'ailleurs privée aussi de Genlis, auquel on prête un nombre considérable d'amants. C'est le cas pour George Sand, c'est aussi le cas pour Germaine de Staël. Alors, qui sont les enfants qu'elle a avec elle? En réalité, ce qui est intéressant, c'est que Genlis va constituer une petite troupe d'enfants. Et là, la chose est nouvelle. La présentation qui a été faite a rappelé qu'il était, première chose originale, pas du tout habituel de mêler garçons et filles. Or, Genlis va faire ça. Alors, c'est vrai qu'une des jumelles va décéder en 1785 et que donc il n'y aura plus qu'Adélaïde, la fameuse mademoiselle Adélaïde de la Restauration et puis de la monarchie de Juillet. Mais cette manière de faire en sorte que petites filles et petits garçons soient élevés ensemble et des enseignements distincts, mais pas mal d'activités exactement semblables, est certainement un des intérêts de la chose. L'autre, c'est d'imaginer. Imaginez que les enfants princiers sont élevés avec d'autres enfants. Et en fait, on compte une dizaine d'enfants à partir de 1782. Les trois enfants d'Orléans, ils vont arriver progressivement à Bellechasse, Louis-Philippe et Louis-Antoine d'abord, et ensuite Louis-Charles à partir de 1788. Deux orphelines anglaises, pour toutes sortes de raisons, on pourra peut-être y revenir. Elles ont été d'ailleurs légalement adoptées au moment où l'adoption était possible, après au moment de la Révolution. Donc on a évidemment dit que ces orphelines anglaises étaient en réalité des bâtardes de Genlis et du prince, du duc de Chartres, alors qu'aujourd'hui les choses sont bien documentées et qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, elles ont bel et bien était trouvé dans un orphelinat de Londres. Ces Pamela, elles ont été rebaptisées, Pamela Seymour et Hermine Compton, une nièce de Genlis, Henriette de Cerzay, qui va la suivre d'ailleurs pendant toute son existence, elle était orpheline, un neveu, César Ducret, qui va arriver d'ailleurs un peu plus tard, qui est le fils du frère de Genlis, Charles-Louis, et de manière ponctuelle aussi, deux petites filles, Louise de Montaud-Vareil et Victorine de Chastenay. Et Victorine de Chastenay, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a appris l'anglais à Bellechasse et qu'elle va devenir une des grandes traductrices des écrivaines anglaises, dont Anne Radcliffe. Et d'ailleurs, ces traductions sont toujours de saison, puisque notamment, elle a... toujours, une de ses traductions est toujours réimprimée. Alors, autour de cette petite troupe, donc, qui, je le disais, va constituer en une dizaine d'enfants au total, on trouve la mère de Genlis, la baronne d'Andelot, par du fait de son remariage. On trouve aussi un sous-gouverneur. Ça, c'était l'habitude. C'est Charles Gardeur Lebrun, généralement appelé Charles Lebrun, qui est mathématicien, qui a été au service du mari de Félicité de Genlis et qu'on va retrouver d'ailleurs à l'école polytechnique un peu plus tard, une fois qu'il aura quitté ses fonctions par la force des événements, et toute une série de précepteurs dont les noms sont largement connus. On peut par exemple songer à Pierre-Philippe Allion, qui a notamment publié un volume avec des illustrations intitulé « Cours de botanique pour servir à l'éducation des princes d'Orléans », dans lequel il y a une planche qui représente une fleur imaginaire à laquelle il a donné le nom de Sillery.
en hommage à Jean Lys. Autour de cette petite équipe, il y a pas moins, et le chiffre est donné par Dominique Julia, de 44 domestiques qui couvrent absolument toutes les activités possibles et imaginables pour la gestion de Bellechasse. Et j'en viens à mon troisième point, c'est-à-dire les lieux où se passe cette éducation. En réalité, il y a trois lieux. Le premier lieu, c'est Bellechasse. Bellechasse a été, c'est un terrain qui a été acquis, négocié avec un couvent par le duc de Chartres en 1778, et il a confié à l'architecte Bernard Poyet deux bâtiments. Un premier bâtiment, qui est celui qui est représenté sur la gravure qu'on voit en silhouette dans l'exposition, et c'est là que Jean Lys va imaginer, ça aussi ça a été rappelé très justement, une sorte de maison pédagogique où les motifs décoratifs doivent servir à l'éducation, mais il y a aussi un bâtiment annexe qui sont les bâtiments privés de Jean Lys, où elle reçoit notamment dans les années 89, 90, 91 une série de pas tout à fait encore girondins, ils vont le devenir plus nettement après, mais enfin, il y a des discussions politiques qui se font là. Ce sont les actuels 6, numéro 6 et 11 bis de la rue Saint-Dominique, et malheureusement, ces bâtiments ont été détruits au début du XXe siècle. Les enfants d'Orléans et tous ceux qui les accompagnent passent l'été, exactement d'avril en novembre, au château de Saint-Leu. C'est Saint-Leu, Saint-Leu-la-Forêt aujourd'hui, en Seine-et-Oise. Et là, on sait que pour l'occasion, ce château qui a été acquis par le duc de Chartres est entouré d'un parc absolument magnifique qui est, à la demande de Jean Lys, redessiné par un architecte paysagiste anglais, Thomas Blakey, qui a également participé à la constitution du parc Monceau. Et on sait notamment que les gravures sont très très jolies. J'invite les amateurs de jardin à aller regarder ça, puisque le cours de la Seine va être légèrement détourné de façon à ce que la Seine passe au bas du jardin, avec des espèces rares, etc. Enfin, il y a une activité botanique tout à fait extraordinaire dans ce jardin. Et le troisième lieu, c'est le château de La Motte, dans l'Orne, qui, semble-t-il, si le château de Saint-Leu a été... je pense démoli en 1821. En revanche, le château de la Motte, lui, existe toujours. Il est acquis en 1788, donc un peu tard, c'est vrai, mais c'est à partir de ce château que les enfants de Bellechasse vont se familiariser avec la mer. Les fils vont apprendre à nager d'ailleurs, les poissons, les coquillages, etc. Et Jean Lys, qui a découvert la mer très tard, une fois qu'elle était déjà au service de la duchesse de Chartres, va trouver absolument nécessaire qu'il y ait ce lieu, lieu d'ailleurs qui va être le point de départ de mémorables voyages pédagogiques dont nous allons également entendre parler. Quatrième point, là aussi les choses ont déjà été esquissées par la présentatrice de l'exposition et par Bruno Blassel, le programme pédagogique est extrêmement diversifié. Alors bien sûr, il y a des sources, on ne part pas d'un système éducatif ex nihilo, ça n'existe pas. Les sources sont bien connues, les choses sont bien documentées, mais l'inventivité de Jean Lys n'en est pas moins très extraordinaire. Là aussi, bien sûr, les critiques n'ont pas manqué de dire que le programme était totalement hétéroclite, qu'il était absolument superficiel. Nécessairement aussi, a-t-on envie de dire, puisque justement les curiosités sont absolument considérables. Et on peut dire jusqu'à un certain point que si... on le sait bien, Jean Lys s'est servi de Rousseau de toutes sortes de façons. En même temps, c'est exactement l'inverse de l'éducation négative telle que Rousseau la conçoit, puisque là, on a à l'inverse justement une éducation qui est particulièrement active et même suractive, tellement il y a de points de curiosité et d'intérêt. Alors je passe sur les savoirs traditionnels, je reviens sur les langues étrangères, et là Jean Lys dit à juste titre qu'elle est une des premières à mesurer la nécessité et l'intérêt d'apprendre les langues étrangères, essentiellement l'allemand, l'anglais et l'italien. Elle-même sait aussi l'espagnol et le portugais. Elle insiste beaucoup aussi pour que les enfants très vite lisent les œuvres littéraires dans la langue. Et on va voir par exemple
Louis-Philippe dire qu'il est en train de lire Métastase en italien ou Pope en anglais. Et donc ça, c'est une première chose qui est assurément nouvelle. Les précepteurs sont de langue allemande, sont anglophones. Il y a les deux petites orphelines anglaises aussi avec lesquelles on parle l'anglais et enfin l'italien. La musique est logiquement, évidemment, très présente et Jean-Lys y veille personnellement. Le dessin est une formation relativement habituelle, on la retrouvera encore dans la formation du 19e siècle, mais en réalité, les choses vont bien au-delà, puisque, et là je renvoie à l'excellent article qui a été dans le catalogue que vous avez vu tout à l'heure, qui a été fait cet article par Victor Hans Beuclerc, intitulé « Tous artistes avec Madame de Genlis », et le titre est tout à fait bienvenu, puisqu'effectivement, Genlis ne va pas se contenter d'avoir un prof de dessin, mais va imaginer qu'on se rend sur place pour voir les collections de tableaux, et elle en fera d'ailleurs quelques descriptions. On visite les ateliers de peintres, et notamment les ateliers de David Greuze et Hubert Robert, qu'on se rend même dans des salles de vente publique aussi, et on assiste à la vente de tableaux. Donc il y a une familiarité avec l'art qui prend de multiples aspects. Le théâtre, évidemment, est présent, théâtre d'éducation, mais aussi pantomime et tableaux vivants. Et on sait qu'au château de Saint-Leu, David lui-même a fait des séjours dans lesquels il imagine, et il s'émerveille de ça, semble-t-il, il imagine de placer lui-même les enfants dans des tableaux vivants, comme on les aime à l'époque. On a déjà signalé les activités sportives, alors des activités sportives de toutes sortes. Et là aussi, je rappelle qu'une des nouveautés de Genlis, c'est d'avoir imaginé que les petites filles n'étaient pas du tout éloignées du sport, puisqu'on sait que, par exemple, à Bellechasse, Genlis fait construire une sorte de petit monticule de terre et qu'Adélaïde monte et descend ce monticule justement pour s'entraîner à sauter et à courir. L'habillement des petites filles, Genlis y insiste, est un habillement qui permet justement les exercices. Et par ailleurs, Genlis imagine un moment, ça ne se réalisera pas, mais il y a pensé, que puisque pour des raisons de décence, les petites filles ne pouvaient pas apprendre à nager dans la mer, il pouvait y avoir pour elles des écoles de natation. Parce que, dit-elle, il est indispensable de savoir nager. À cela, il faut encore ajouter, je pense que j'ai 2-3 minutes encore, il faut ajouter une pratique quotidienne de l'écriture, et la place de l'écrit dans la formation est à cet égard tout à fait centrale, puisque d'abord, les enfants écrivent des lettres. Ils écrivent des lettres à des correspondants fictifs ou réels. Ils écrivent des lettres en anglais, en italien et en français. Il constitue aussi, sur le modèle de ce que même Genlis a pratiqué pendant des années, des extraits des livres qu'ils lisent, et à l'occasion, quand ils sont à Paris et qu'ils vont voir des pièces de théâtre, ils imaginent des critiques de ces pièces de théâtre. Ils imaginent enfin un système, en réalité très complexe, de journaux, puisqu'en réalité, les enfants tiennent des journaux. Et on en a un magnifique exemple dans une publication qui remonte loin dans le temps, qui date de 1800, où on a quelques pages du journal de Louis-Philippe entre 1790 et 1791. Depuis, on a eu d'autres publications, heureusement. En réalité, le massif est absolument conséquent et on n'en a qu'une petite idée pour l'instant. Je pense une idée suffisante aussi pour savoir exactement à peu près comment cela fonctionne. Les enfants tiennent un journal, Genlis tient un journal aussi, elle fait copier certaines parties qu'elle va montrer aux enfants, elle-même regarde les journaux des enfants, ça c'est le dispositif habituel des journaux d'éducation, et par ailleurs, elle imagine aussi des journaux de voyage, le gardeur Lebrun tient une véritable minute de ce que font les garçons, puisque sur les petites filles, il n'a pas... en fait, il s'occupe essentiellement de Louis-Philippe et de son frère,
au départ, et puis du petit troisième Charles en dernier, et Genlis intervient sur ces journaux de la même manière, elle les contrôle, elle les apprécie, elle les commente, et il faut rappeler que dans le texte de 1791, Leçon d'une gouvernante, Genlis insiste sur le fait qu'elle a autorité, qu'après tout, son poste de gouverneur suppose ceci, les princes, dit-elle, m'ont confié leur autorité pour tout le temps de l'éducation de leurs enfants, c'est eux que je représente. Alors, on peut évidemment garder ça à l'esprit. On ajoutera à ce petit panorama que j'ai dû faire à grands pas pour des raisons évidentes, bien sûr, tout ce qui regarde les savoirs techniques et manuels. C'est vrai que Louis-Philippe a dit qu'il était le seul souverain en Europe capable de tresser un panier, parce que précisément, il y a, de la part de Genlis, la volonté de s'occuper de ses mains dès que l'occasion se présente, et on sait qu'elle-même, d'ailleurs, est d'une agilité de ses mains tout à fait extraordinaire. Il y a bien entendu, on l'a heureusement pu le voir même virtuellement, les modèles réduits avec lesquels on joue. Il n'y a pas, c'est vrai, de petits personnages, mais on peut prendre les petits instruments qui sont dans ces maquettes et s'en servir pour essayer de comprendre à quoi ils servent. Il y a le fameux cabinet de curiosité qui sera vendu à la Révolution, où il y a des collections rares en géologie notamment, et Genlis explique qu'elle a constitué ce cabinet de curiosité avec Buffon, et que Buffon a été une source d'inspiration majeure pour elle. Et donc, on a, vous le voyez, un éventail d'activités tout à fait nouveau, assurément, et pour une éducation princière parfaitement inouïe. Louis-Philippe insiste bien, et je conclurai là-dessus, que, bien entendu, le projet d'éducation à Bellechasse est ancien. On avance aujourd'hui la date de 1774 comme possible moment où l'idée, au fond, a germé de donner aux enfants d'Orléans une toute autre éducation que celle qui avait été traditionnellement celle de leur père en premier, de leur mère aussi, qui ne savait pas grand-chose, parce que précisément, il n'y avait pas de système d'éducation solide. Et donc, bien sûr, le projet est ancien, mais Louis-Philippe insiste bien sur le fait que, en fait, Genlis, évidemment, ne serait arrivé à rien si elle n'avait pas eu le franc soutien de ses parents, hein, de sa mère comme de son père. À l'évidence, évidemment, il ne suffisait pas toute seule comme ça de décider qu'elle serait un jour gouverneur, mais il fallait l'appui des parents d'Orléans dont les journaux l'attestent. Les parents d'Orléans sont souvent présents, ils sont présents à Saint-Leu très régulièrement, et ils sont aussi, ils viennent à Bellechasse, la mère comme le père, jusqu'à la fin, et là aussi, les journaux de Louis-Philippe en portent la marque. Merci. Merci beaucoup Martine. On va passer à l'intervention de Monsieur Bessy. Je crois qu'il n'y a pas de questions dans la discussion. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le chat. Mais du coup, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à l'intervention de Monsieur Bessy. Oui, moi j'aurais peut-être quand même une question à poser à Martine Maine. Comment, malgré tout, si on a pensé à elle dès 1774, c'est-à-dire elle est encore vraiment assez jeune, peut-on dire, comment a-t-elle constitué ce vaste programme pédagogique très éclectique finalement et très novateur, enfin semble-t-il très novateur? Est-ce qu'on sait quand même quelles sont ses sources d'inspiration ou... Oui, il y a évidemment toutes sortes de noms qui ont été avancés, et c'est là, et évidemment, Rousseau, Madame de Maintenon, oui. Fénelon, etc., oui. Et d'autres encore, et là je pense que les historiens ont essayé de bien identifier les sources, après tout, l'Émile de Rousseau aussi a d'innombrables sources, et donc ce qui est frappant, c'est que
il reste des zones d'ombre. Et justement, la question que vous posez, il est très difficile d'y répondre parce qu'on a l'avis qui est donné par Jean Lys, mais ça, c'était elle. Et donc, ce n'est pas qu'on se méfie systématiquement, mais tout de même, évidemment, elle raconte l'histoire d'une certaine manière. On a les témoignages, notamment de Louis-Philippe dans ses mémoires, mais... est-ce que ça a été progressif? Alors, c'est vrai qu'elle est d'abord gouvernante des deux jumelles, mais les jumelles arrivent à Bellechasse quand elles ont 18 mois, donc forcément, ça va prendre un moment d'arriver à un vrai système éducatif. Donc, sans doute, la chose peut-être, voilà, je réponds de manière tout à fait vague, mais la chose peut-être la plus étonnante, c'est que le programme éducatif, il est très largement déjà décrit dans Adèle et Théodore ou Lettres sur l'éducation, c'est-à-dire qu'en 1782, donc on suppose que Adèle, la rédaction de cet ouvrage a pris au moins 2 ans. Ça veut dire qu'à partir des années 80, dans Adèle Théodore, elle décrit ce qu'elle va faire à Bellechasse. Ça, il n'y a pas d'équivalent en littérature de ça, évidemment, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a dans Adèle et Théodore mille choses, c'est un roman absolument foisonnant et très extraordinaire. Et il y a notamment des considérations, un roman épistolaire, sur l'éducation des princes. Oui, elle a construit un programme finalement programme qui est là en quelque sorte appliqué ensuite. Alors, il n'y a pas tout dans Adèle et Théodore, mais tout de même. Et là, ça oblige à penser que, bien sûr, les projets sont beaucoup plus anciens. Ce qu'on n'imagine pas, que tout d'un coup, elle raconte qu'on a dit et qui pourrait-on trouver comme gouverneur d'Orléans, et elle dit, eh ben, pourquoi pas moi, et que voilà, la chose est emballée. Mais évidemment, ce n'est pas imaginable. D'accord. Bien. Merci. On a une question dans le chat. Pouvez-vous revenir sur les extraits? Est-ce des citations seulement ou des commentaires aussi? Ça, je n'ai pas vu personnellement les commentaires, la constitution d'extraits. Je ne les ai pas vus en manuscrit. Je ne sache pas qu'ils aient été reproduits dans quelques travaux. Articles, publications de collègues, traditionnellement, les extraits font un peu les deux. Les extraits, justement, telle ou telle citation qui paraît particulièrement significative, et ensuite, il y a parfois des commentaires selon qu'aussi l'éducateur, l'éducatrice peut en demander ou pas. À mon sens, voilà, c'est une question imprécise, mais peut-être les historiens de l'éducation ont-ils des vues plus précises que les miennes là-dessus. Très bien, donc nous allons peut-être passer à l'intervention de François Bessir, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc François, vous êtes professeur de littérature du 18e siècle à l'Université de Rouen. Vous êtes aussi directeur scientifique et administratif des presses universitaires de Rouen et du Havre depuis 2008. Vous êtes spécialiste de Voltaire, qui était le sujet de votre thèse de doctorat d'État. Et vous êtes encore actuellement, je crois, président de la Société Voltaire. Alors, votre intérêt pour le XVIIIe siècle vous a poussé à l'étude des correspondances des journaux et aussi à travailler sur Madame de Genlis. Il y a un lien finalement entre Voltaire et Madame de Genlis. Donc, appris qu'elle avait joué, enfin, Martine nous a rappelé qu'elle avait joué une centaine de fois Zahir, et elle est allée rendre visite, je crois, à Voltaire aussi, à Ferney. Vous avez donc co-dirigé le colloque de 2007 dont nous parlions tout à l'heure sur Madame Genlis, et surtout, je dirais, vous venez de publier un ouvrage assez extraordinaire, le journal des voyages de Madame de Genlis avec les enfants d'Orléans, que vous avez, en tant qu'éditeur commercial, si je puis dire, mais surtout éditeur scientifique, donc aux presses universitaires du Havre et de Rouen. C'est un petit carnet de manuscrits de la main de Madame de Genlis qui est tout à fait passionnant. Alors, je vais vous allez le présenter. Évidemment, on s'interroge sur cette manie que tout le monde a de voyager à la fin du XVIIIe siècle. Il y a
1000 types de voyages. Celui de Madame de Genlis avec les enfants est évidemment différent de celui que fait Bernardin de Saint-Pierre, que vous avez également édité. C'est également différent des voyages, évidemment, d'Arthur Jung, qui se place exactement à la même époque. Donc, évidemment, on est curieux de savoir comment elle a construit aussi ce programme de voyage. Peut-être lui est venue, non pas l'idée, mais comment elle a choisi les lieux, comment elle a conçu ce voyage, qui n'est donc pas un voyage de tourisme, ou au moins un tourisme éducatif, comme on a pu le dire. Voilà, donc je vais vous laisser faire votre intervention qui s'intitule « Un jeune homme instruit et bien élevé voit tout avec l'intérêt et curiosité. Le voyage dans la pratique éducative de Félicité de Genlis. » Merci de m'avoir introduit de cette façon. Ouais. Alors, tout le monde a compris que c'est très facile de présenter ce petit carnet de voyage puisque le contexte a déjà été parfaitement décrit. D'une part, et que ce carnet, pour ceux qui ont visité l'exposition, il est présenté concrètement dans l'exposition, il y est présent, et que donc on peut avoir une idée physique, même si je vais essayer de partager de temps en temps quelques photographies pour donner une idée de ce qu'est ce petit carnet. Donc c'est un petit carnet de modeste apparence, je vais essayer tout de suite de faire un partage d'écran, j'espère que ça va marcher, voilà. Non, ça n'a pas l'air de marcher, c'est pas le bon écran. Bon, tant pis, on va pas le regarder à ce moment-là, on va se contenter de me voir moi, mais je ne sais plus comment, voilà. Pardon de ce petit raté, voilà. Donc, je vais pas vous montrer, mais peut-être à la fin, on verra. C'est un petit carnet de modeste apparence qui était initialement orné par une gouache originale qui a été arrachée aujourd'hui. Qui fait 10 cm, un peu plus de 10 cm de long sur 8,7. Il est donc très modeste d'apparence, mais en même temps, il est parfaitement passionnant et c'est un document exceptionnel à plus d'un titre. Il est, c'est le mon propos du jour, qui porte moins sur l'organisation du voyage que sur sa dimension éducative, puisqu'il est particulièrement révélateur de la démarche éducative de Genlis. Alors, il s'agit incontestablement un récit de voyage, il en a toutes les caractéristiques. Il est rythmé par des indications de date et d'heure. Il commence le 3 juin 1788 pour s'achever le 15 mars 1790. Comme tout bon récit de voyage, il comporte des indications sur le voyage lui-même, sur le moyen de transport. Nous sommes partis, je vais essayer de le citer pour que ce soit un peu concret. Nous sommes partis ce matin à midi dans une voiture à 6, Mademoiselle, les deux princes aînés, Pamela, Monsieur Myris et moi. Donc maintenant, je n'ai pas besoin de présenter les participants puisqu'ils ont déjà été présentés. Les aléas du voyage sont constamment présents dans ce récit, comme dans un récit canonique de voyage. Les problèmes de gabarit, par exemple. De Saint-Leu, ce 9 juin 1788, je cite de nouveau, nous nous sommes arrêtés à Poissy, pour voir l'abbaye, j'avais envoyé un courrier en avant pour nous annoncer. Toute la communauté nous attendait à la porte, mais comme à cause de nos harpes, nous n'avons pas pu passer par les portes des cours, nous sommes descendus de voiture et nous avons été à pied au couvent. Le récit de voyage contient, c'est la description canonique, des descriptions des modalités de déplacement, les mauvais chemins, les auberges détestables, des indications régulières de distance et de durée. Le 11 septembre 1788, je cite encore, parti de Brest à 10h30 du matin, couché à Quimper-Corentin, horrible ville, et dans un exécrable cabaret. Il n'y a que 17 lieues de Brest à Quimper-Corentin et nous avons mis 13 heures à les faire. Les chemins sont affreux, des montagnes éternelles très raides et parsemées de grosses roches qui les rendent excessivement dangereux. Comme dans tout bon récit de voyage, on décrit les lieux traversés. Par exemple, ce 1er septembre 1788, au Havre, à 8h du soir. Voici ce que nous avons vu. Oui, je vois apparaître le petit carnet. Mes photos étaient meilleures, mais comme je n'ai pas pu les montrer. Donc, je continue. Merci. À 8h du soir, voici ce que nous avons vu depuis le dîner.
D'abord, les deux phares sur le bord de la mer, ou en haut des falaises. Ce sont deux espèces de tours très élevées, d'une forme élégante et légère, surmontées d'une autre petite tourelle vitrée, sur laquelle sont posés des ornements légers et à jour. Ces deux phares sont peu éloignés l'un de l'autre. Nous avons monté tout au haut, c'est-à-dire dans la petite tourelle vitrée. C'est là-dedans que sont les grands réverbères qu'on allume à la nuit et qu'on entretient jusqu'au jour pour éclairer les vaisseaux. On porte sur les lieux visités et regardés et traversés à travers toutes les indications qu'on a vues, des jugements esthétiques et moraux, et ils suscitent des réflexions générales. Je cite pour donner une idée d'abord de l'écriture de Jean Lys, qui est étonnamment efficace, et puis aussi pour donner une idée plus concrète de ce voyage-là. Vous voyez en ce moment, merci encore à la régie, quelques pages de son écriture à l'intérieur du carnet. Donc ce 11 août 1788, je n'ai rien vu qui m'ait autant attristé que l'aspect de ce village à son extrémité sur le bord de la mer. D'un côté, cette immense étendue d'eau sans limite. De l'autre, une vaste plaine de sable blanc parsemée de méchantes cabanes de pêcheurs. Pas une pointe de verdure, un soleil ardent qui se réfléchit sur un sable éclatant, un air obscurci et souillé par une poussière éternelle, le lugubre mugissement des flots, tout concourt à rendre ce village le plus affreux séjour que l'on puisse voir dans le monde. Cependant, on y vit, on y reste, la population même y est très considérable, on y trouve une multitude d'enfants. Quel est donc le pouvoir de l'habitude et de l'attachement à la vie ? Ce carnet donc est bien un récit de voyage, il en a toutes les caractéristiques, tous les charmes, tout l'intérêt aussi, parce que la France qui est vue là, cette partie ouest de la France qui est vue dans ce récit, c'est celle de 1788, après 1789, c'est-à-dire une France qui va changer considérablement ensuite et qu'on saisit là un moment particulier. Il n'y a pas vraiment d'équivalent de récit de voyage comparable à la même époque. Les autres ont d'autres perspectives. On parlait de Bernardin de Saint-Pierre tout à l'heure. Bernardin de Saint-Pierre fait quelque chose de beaucoup plus personnel, de plus intime. Ici, on est beaucoup plus dans la description des lieux. Donc ce voyage, ce récit de voyage, c'est un voyage à la trappe, à partir de Saint-Leu d'abord, un voyage à la Motte. Alors il a été dit tout à l'heure que c'était dans l'Orme, mais c'est dans la Somme aujourd'hui, si on veut situer ce château de la Motte où les enfants vont au bord de la mer. Puis en Bretagne, à partir de la Motte, via le Mont-Saint-Michel, et retour par la Touraine, et des voyages autour de Paris, à Saint-Gobain, pour les manufactures, et aux environs de Paris. Donc il a toutes les caractéristiques d'un récit de voyage, il en a tous les charmes et tous les intérêts, mais, deuxième partie de l'intervention, ce n'est pas un récit de voyage comme les autres. Il fait partie d'un plan d'éducation, et c'est cela qui lui donne un intérêt supplémentaire. Pour moi, il y en a même un troisième, on peut même le lire à un troisième niveau, et puis après je m'arrêterai. Donc, il fait partie d'un plan d'éducation dans lequel le journal en tant que tel a une place majeure, ça a déjà été évoqué rapidement. Donc, pour définir clairement la situation, je pense que le mieux c'est de partir des catégories définies par Philippe Lejeune, qui distingue journal d'éducation d'un côté et éducation par le journal de l'autre. Les deux aspects sont présents dans le programme de Jean Lys. L'éducation par le journal, ce sont les enfants qui sont présents à Bellechasse, qui tiennent leur propre journal, notamment les princes aînés, les deux aînés d'Orléans qui sont les plus avancés. Dans le volume que j'ai édité où se trouve publié ce carnet de voyage, il y a une partie documentation qui est plus importante que le récit lui-même, et qui contient notamment ce que j'ai pu trouver, parce que malheureusement je n'ai pas eu accès au papier de la Maison de France, qui est fermé, y compris aux chercheurs publics et en activité. Une partie, par exemple, du journal du Duc de Montpensier, qui a été publié au 19e siècle. Donc les princes vont d'ailleurs conserver plus tard cette habitude d'écrire des journaux, ça restera vraiment créé dans leur formation. C'est donc un exercice de rédaction, dans ce cas, le journal. L'éducation par le journal, c'est un exercice de rédaction, de réflexion sur le vécu, de retour sur la journée, de mémorisation, bien sûr, c'est son intérêt particulier. Donc d'un côté, il y a l'éducation par le journal, et de l'autre, le journal d'éducation lui-même, dont ce carnet fait partie, c'est-à-dire un journal écrit par l'éducateur ou par l'éducatrice, et qui est lu par les autres, éventuellement ou pas,
pour cette partie-là, c'est assez difficile à définir, mais il semble bien que celui-là a été destiné à Henriette, c'est, ce que c'est l'hypothèse à laquelle j'arrive. Donc une constellation de journaux écrite par les éducateurs et qui s'inscrit elle-même dans une production d'écrits tout à fait considérable, puisque Jean-Lys estime à 51 volumes de 150 à 190 pages écrits de sa main qui ont été produits lors de l'éducation de Bellechasse en dehors des journaux. Dans les leçons d'une gouvernante, dont on a déjà parlé, qui est un bilan de l'éducation d'Orléans, une défense de l'éducatrice aussi, elle donne toutes sortes d'informations qui sont d'ailleurs des extraits de ces journaux. Et elle dresse la liste des journaux réalisés, des journaux d'éducation. Donc, premièrement, le journal de M. Lebrun, dont on a déjà parlé tout à l'heure, contenant le détail de tout ce que nos élèves ont fait et dit durant le temps qu'ils ne passaient pas avec moi. Deuxièmement, mon journal particulier, que je n'ai point lu aux enfants et que j'ai fait pendant 4 ans. Troisièmement, mon journal fait pour être lu à mes élèves et qui a succédé au précédent, que j'ai continué jusqu'à ce jour. Quatrièmement, le journal des matinées de M. Beaujolais, fait par M. Barrois, qui s'occupe des plus jeunes. Et cinquièmement, le journal fait à Bellechasse par Mlle Rime. Donc il y a un ensemble de journaux considérables, copiés, montrés les uns aux autres ou pas, selon les circonstances, copiés le plus souvent, et dont ce petit carnet est la partie émergée. Pendant les voyages, M. Lebrun, qui est le sous-gouverneur, l'organisateur en fait, des études, une espèce de censeur et surveillant général en même temps, Lebrun est absent pendant les voyages, il ne fait pas partie des voyages, on le laisse à la maison. Et du coup, les journaux de voyage, qui sont distincts des journaux d'éducation à proprement parler, sont rédigés par Jean-Lys et copiés, dit-elle dans les leçons d'une gouvernante, pour chacun des enfants. Le carnet en question est composite, puisqu'il est d'abord écrit au jour le jour, ce qui se mesure très simplement en changement de plume, changement d'encre, plus ou moins une variété des tailles d'écriture. Il est écrit au jour le jour, donc du 3 juin 88 jusqu'au 1er septembre 88. Et ensuite, il est abrégé à partir d'un original. C'est ce qui est indiqué dans le carnet lui-même, jusqu'au 11 septembre 1789. Et il reprend à partir du 11 septembre 1789 sous la forme d'un récit original. Il y a clairement la volonté de produire, à partir d'un reste de journal fait sur le terrain d'abord, puis complété par des indications qui se trouvent dans un autre, ce qu'elle appelle l'original, un autre journal, de faire un journal complet des voyages à destination des enfants, clairement. Celui-ci, vraisemblablement, ça c'est mon hypothèse, est destiné à Henriette, puisqu'on peut le supposer, puisqu'il est indiqué dans le carnet que c'est elle qui a fait le portefeuille, ce qui veut dire en fait réaliser une reliure et relier les feuilles ensemble. Ça fait partie, faire le portefeuille des activités manuelles des enfants. Et donc c'est un témoignage. Il devrait y en avoir d'autres. On devrait connaître le journal original de Jean-Lys. Alors, il y en a des bribes à l'arsenal, il y en a un morceau pour la partie 88-89. On devrait, il y a peut-être quelque part un journal de Louis-Philippe, j'ai pas pu accéder aux archives de la Maison de France. Bref, on a là une singularité que ce petit journal, mais il est extrêmement révélateur de l'ensemble. Alors, ce journal de voyage n'est pas un journal de loisirs, ce n'est pas des déplacements de loisirs, mais par certains côtés, ça peut y ressembler, mais c'est le journal d'un autre temps de l'éducation, qui est différent dans ses modalités. Plus d'emploi du temps structuré et très découpé, comme ça se passe pendant les jours normaux, plus de leçons et d'exercices formels, mais une éducation qui est fondamentalement du même type, c'est-à-dire à la fois universel, très encyclopédique. Dans les voyages, on voit tout. Tout est l'objet d'intérêt. Les paysages, bien sûr, la faune, la flore, l'architecture, religieuse, civile, ancienne, moderne, les hôtels particuliers, mais les églises, tous les châteaux, mais aussi les chaumières, avec un intérêt particulier pour les jardins. Alors, je ne résiste pas au plaisir de lire un extrait du journal de 9 juin 88 à propos des jardins du château de Navarre, aujourd'hui disparu,
Ces jardins sont immenses et réunis à une vaste et superbe forêt. Les eaux sont naturelles et admirables. Une belle et large rivière naturelle traverse les jardins, y forme des ruisseaux, des cascades admirables qui vont en tous sens, nuit et jour, et dans tous les temps. La beauté merveilleuse des ombrages et des eaux, cette majestueuse forêt qui entoure de toutes parts et couronne les jardins, la profusion des fleurs, l'énorme quantité d'arbres et d'arbustes rares, la magnificence des fabriques, la variété des sites, le bon goût et l'extrême noblesse qui règnent en général dans la distribution et le plan, la vaste étendue de ces jardins rendent ce lieu le plus beau et le plus charmant que j'ai jamais vu. Voilà pour les jardins qui sont l'objet d'une attention particulière, une connaissance très approfondie de la part de Jean-Pierre. Bien sûr, les œuvres d'art, on cherche les œuvres d'art, on va les voir, on va voir les tableaux au fond des églises. Souvent sont décrits d'ailleurs de façon intéressante des tableaux qui n'existent plus et qui sont parfois des copies dont on connaît heureusement les originaux. Les œuvres d'art sont décrites, elles sont commentées, mais il me semble qu'un des intérêts les plus singuliers, parce que là on est encore dans une forme de tourisme, même si elle n'est pas parfaitement établie encore à ce moment-là, l'intérêt s'étend aux métiers, aux manufactures. On rejoint le sujet de notre exposition, aux manufactures. On va voir la fabrique de coton à Rouen, on va voir les tapis à Beauvais, on va voir les glaces, on va voir les cloutiers, ceux qui font des épingles dans Normandie. Et avec une attention très particulière à la modernité technologique. Je vous lis un extrait du voyage à ce propos. 13 septembre 1788, voici ce que nous avons vu le matin à Lorient. La poulierie, lieu où on fait les poulies pour les vaisseaux. C'est une invention mécanique prise des Anglais. D'abord, on entre dans une grande salle basse où l'on trouve une machine immense qui va par le moyen de 4 chevaux. Cette machine fait mouvoir une énorme scie qui, par cette mécanique, scie une prodigieuse poutre de bois de Gaillac. Cette terrible scie qui semble ainsi agir toute seule est effrayante à voir. Le plafond au-dessus est percé de manière que les mêmes chevaux et la même mécanique agissent dans la pièce au-dessus. Renseignement pris, il s'agit en effet d'une technologie anglaise essentielle pour l'activité maritime, puisque les poulies sont des outils majeurs dans ce domaine, qui permet un gain de productivité considérable sur la production des poulies, et que Jean-Lys est une des rares à décrire. À vrai dire, en dehors des ingénieurs de marine spécialisés. Donc le voyage, c'est tout voir, et notamment les manufactures. On y reviendra parce que ces manufactures ont aussi une dimension morale. Donc ce n'est pas seulement tout voir, c'est aussi rencontrer. Le voyage, c'est un moment de rencontre. Alors la situation des enfants fait qu'en général, ils sont reconnus à l'avance, il y a la garde qui sort, et tout le monde vient les rencontrer, et ils sont invités à la distribution des prix dans les collèges, à baptiser des navires au passage. Et donc, on rencontre beaucoup de gens, les prieurs des abbayes, les maires des villages, les propriétaires des châteaux, les paysans, les pêcheurs. Tout le monde est l'objet d'intérêt, en particulier au bord de la mer, où on demande aux professionnels ce qu'ils savent. Ils apportent d'ailleurs les productions locales. Le voyage est accompagné de commentateurs, parce que ça n'est pas seulement Jean-Lys ne commente pas tout. Nous avons toujours eu, là je cite de nouveau les leçons de gouvernante, nous avons toujours eu avec nous, dans toutes nos courses, deux personnes qui nous étaient aussi utiles qu'agréables. L'une dessinant et peignant supérieurement, et joignant à ce talent le goût le plus sûr et le plus délicat dans tout ce qui a rapport aux arts. L'autre, excellent chimiste, sachant parfaitement la botanique et en général l'histoire naturelle. Avec ses secours, mes élèves n'ont pas fait un seul petit voyage qui m'ait été véritablement utile pour eux. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, puisque malheureusement, mon téléphone sonne. Je vais peut-être m'interrompre une seconde. Désolé, c'est l'inconvénient de n'être pas dans un lieu commun. Nous avons toujours eu avec nous, je reprends dans toutes nos courses, deux personnes qui nous étaient aussi utiles qu'agréables. L'une des signes opinions, c'est Myris, un peintre qui les accompagne constamment et qui a une bonne connaissance de l'histoire de l'art et qui décrit les objets. Et l'autre, excellent chimiste, sachant parfaitement la botanique, c'est M. Alliot qui a été décrit, dont il a été question tout à l'heure. Il faut ajouter, pour être complet sur l'éducation par le voyage, que ce n'est pas une éducation qui est simplement une éducation du voir, c'est aussi une éducation de l'expérience.
On essaye. Ce samedi 2 août 1788, nous avons été aujourd'hui à midi, mademoiselle Pamela et moi, nous baigner dans la mer, à une demi-lieue d'ici, au bourg d'eau. Il a fallu faire un bon quart de lieue à pied et sur des cailloux par un soleil ardent pour aller trouver la mer et autant en revenant pour aller rejoindre notre voiture. Il y avait beaucoup de vent, la mer était très grosse. Nous avons été obligés de nous faire tenir dans l'eau car les vagues nous auraient culbuté. On fait des expériences donc, de toutes sortes, y compris celle-là, celle des bains de mer. J'espère avoir fait mesurer la richesse de ce petit carnet, témoignage exceptionnel d'un aspect particulier du plan d'éducation conçu par Jean-Lys. Mais pour Jean-Lys, le voyage c'est pas seulement un moment de diversification éducative, c'est pas seulement un moment de multiplication des expériences et des savoirs, il a aussi une dimension morale qui correspond à l'ambition qu'elle décrit elle-même de son éducation. On est toujours dans les leçons des gouvernants, donc non pas dans un programme, mais dans une constatation a posteriori. Le but général, écrit-elle, des études est de former le cœur et l'esprit, c'est-à-dire de cultiver, d'étendre, de perfectionner les facultés intellectuelles de l'élève et de lui offrir, pendant la durée de son éducation, un cours complet de morale. Il s'agit enfin de lui préparer pour l'avenir des ressources dans l'adversité, de le munir de préservatifs contre les passions et contre l'ennui. Et le voyage dans cette disposition a sa place non seulement comme lieu d'apprentissage de faits, de connaissances, c'est aussi se dépasser. Voyager, c'est aussi se dépasser, c'est aussi s'endurcir. Et dans un autre passage des leçons, elle décrit les bienfaits des visites des manufactures. Un passage très, très étonnant, parce que ça montre la cohérence et le caractère complet de cette éducation. Et donc, elle décrit les bienfaits des visites des manufactures. Une visite qui continue pendant les voyages, comme on l'a déjà indiqué. J'ai aussi trouvé dans notre cours de manufacture, dont les maquettes font partie, outre l'instruction qui en résulte, c'est évident, un très grand avantage, pour des enfants, celui de les fortifier, de les aguerrir, de leur ôter pour jamais une infinité de petites délicatesses incommodes et ridicules. Mes élèves, pendant 6 ans, ont passé une partie de leur matinée d'hiver, 3 ou 4 fois la semaine, à descendre dans des caves profondes, à monter des escaliers composés de 6 ou 7 étages et communément terminés par des échelles, à traverser à pied de grandes cours pleines de boue, de neige. Pendant tout ce temps, la curiosité leur a fait supporter gaiement l'incommodité des odeurs les plus fortes et les plus désagréables, telles que celles des vernis, des tanneries, etc. Et l'humidité des souterrains, et la chaleur brûlante des fourneaux, le bruit étourdissant des marteaux, des enclumes, et le dégoût de certains ateliers, par exemple ceux où l'on prépare des cordes à boyaux, où l'on fait de la chandelle. Et enfin, les risques que l'on peut courir en suivant quelques-unes de ces opérations. On est loin des maquettes, toute proprette et avec des tout petits objets, on va voir aussi concrètement comment ça chauffe, ça sent mauvais, et on se lance dans des activités qui vous aguerrissent. Ces observations peuvent s'appliquer plus généralement au voyage, qui nécessite de dépasser les incommodités des longs trajets, les punaises des lits d'auberge. Le voyage en lui-même est moralement fondateur. Je pense qu'on peut encore lire un niveau encore plus élevé ce petit carnet de voyage, c'est que le voyage dans l'éducation de conçu par Jean-Lys, il a pour fin ultime de préparer au voyage, d'apprendre à voyager. Le voyage sert à apprendre à voyager pour plus tard, quand on sera adulte et qu'on aura la possibilité, quand on sera libre. Elle le dit très clairement de nouveau dans je ne l'invente pas, on le comprend bien quand on lit les quelques brèves des journaux de Philippe, qui a appris, en effet, à voyager, exactement comme Madame de Jean-Lys l'a montré. Je m'appliquais alors à apprendre à voyager avec fruit, à faire un journal, à juger sainement, à questionner, à écouter, à tirer des résultats intéressants de tout ce qu'il voyait. Après tous ces soins, j'étais bien certaine que s'ils le pouvaient, le premier usage qu'ils feraient de leur liberté serait de parcourir toutes les provinces de France et d'aller ensuite dans les pays étrangers. Là, ils eussent sans moi achevé et perfectionné leur éducation. Ce qu'elle apprend, Jean-Lys, ultimement, lors des voyages,
mais plus généralement dans cette éducation particulière. C'est une attitude, c'est une éthique. C'est une éthique de voyage, mais c'est plus que ça, c'est une éthique globale, faite de liberté, de curiosité, d'ouverture d'esprit. Un apprentissage permanent, elle propose un apprentissage permanent du monde et des autres. Le voyageur bien éduqué est un idéal d'homme social universel, attentif à toutes les cultures et à toutes les différences, ce qui aujourd'hui nous intéresse particulièrement. Je vais terminer sur une citation dans laquelle elle se projette sur ses élèves en âge de voyager. Un jeune homme instruit et bien élevé, c'est ma citation de titre, voit tout avec intérêt et curiosité. Il se garde bien de s'enfermer constamment dans une voiture. Il fera la plus grande partie du chemin à pied et à cheval. Il sait admirer un beau paysage. Il sait le dessiner. Il veut examiner aussi les plantes qu'il ne connaît pas. Les mœurs des paysans l'intéressent plus encore que celles des habitants des villes. Il s'arrêtera souvent dans une chaumière et couchera volontiers dans une grange. S'agit-il pour aller voir une curiosité naturelle, une grotte, une cascade singulière, de gravir des rochers escarpés, de passer dans des sentiers étroits formés par la nature sur le penchant des précipices, de descendre dans des cavernes profondes à l'aide d'une échelle et d'une corde? Il n'hésitera pas. Il ira avec confiance et sans péril. Ce sont là les jeux de son enfance. Passe-t-il dans un port de mer? Il y séjournera. Il veut comparer les richesses, l'industrie et les ressources de cette terre étrangère avec celles de sa patrie qu'il connaît bien. Il va dans tous les ateliers, dans les chantiers, sur les vaisseaux. Il jouit et sent tout le prix de l'estime que lui témoignent ceux qui le conduisent. De retour à son auberge, je cite rapidement, je vous saute des passages, de retour à son auberge, il ne sera point oisif. Il sait faire un journal, espèce d'ouvrage qui donne l'habitude d'écrire dans tous les genres. On trouvera dans le sien une saine critique, des détails piquants sur les usages et les mœurs, de sages réflexions sur le gouvernement et les lois, des anecdotes curieuses, des fragments historiques, des descriptions et tous les détails qui peuvent peindre les hommes et intéresser l'humanité. On est arrivé à un degré de généralité de l'éducation qui est tout à fait extraordinaire et tout à fait moderne, alors là pour le coup, et prémonitoire en même temps, puisque l'élève préféré, Philippe, non seulement il partira en Angleterre d'abord au moment de la Révolution, ensuite il passera en Suisse, il remontera jusqu'au Cap Nord à pied, européen qui est allé le plus au nord dans l'Europe de cette époque-là, et on le retrouvera à l'ouest du Mississippi, du côté des Indiens d'Amérique. Donc, et il sera, il tentera d'être un roi constitutionnel moderne dans l'esprit de l'éducation qu'il a reçue. Alors, pas de conclusion, parce que je crois que j'ai dû à peu près épuiser mon temps, même si je n'ai pas trop regardé. Ce qui est frappant, c'est la cohérence de cet ensemble. Diversité des intérêts, et volonté d'un apprentissage des personnalités, d'un apprentissage moral, d'un apprentissage d'une ouverture au monde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On a eu des questions dans la discussion, notamment une question sur le lieu de conservation du carnet qui a été répondu, merci à Anaïs. Donc, il est effectivement conservé au Musée national de l'éducation à Rouen, qui conserve un fonds de manuscrits jean-lycien, et il est donc présenté dans l'exposition Top Model au Musée des Arts et Métiers. On a eu également une autre question. Est-ce qu'il existe un seul carnet de voyage? Que sait-on sur les conditions de voyage au niveau matériel? Est-ce que des serviteurs suivent le groupe? Je peux répondre à ça. En effet, c'est un petit groupe resserré. Hein, tout, une bonne partie reste à la maison. Par moments, selon les moments, ce n'est pas le même groupe, mais en gros, c'est aux alentours de 6 personnes. Il y a bien sûr j'allais dire du personnel autour, hein, qui sont absolument nécessaires pour se déplacer. Mais malgré tout, c'est très réduit. Et on va dans les auberges. Il y a un vrai aspect voyage. Ça se fait en voiture à 6, voiture à 12. C'est comme ça qu'on désigne ces grandes calèches. Et il y en a plusieurs. Et, alors, évidemment, étant donné la nature, la notoriété des enfants, etc., le plus souvent, il y a un accompagnement non prévu, parce que ils essayent d'être incognito, c'est le souhait de Mme Jean-Lys, et un accompagnement qui est non prévu par les autorités locales, et parfois elles sont aussi les autorités en question bienvenues, parce qu'elles font pénétrer des choses qu'on ne connaît pas. Donc, petits groupes, malgré tout, ça reste petit, certes, valet
qui accompagne constamment la vie de chacun, mais pas au-delà. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. On avait également une question sur les lieux qu'il visite. Est-ce qu'il visite des bibliothèques? Est-ce que le journal enregistre les réactions, comportements ou commentaires des enfants ou donne plus largement à voir la manière dont ils ont vécu ce voyage? C'est des bonnes questions, en effet. Alors, bibliothèque, il n'en est pas fait mention dans ce récit-là, dans ce carnet-là. Il est question de cabinet de curiosité, de vente, mais de vente de tableaux, mais pas de bibliothèque, en effet. D'autre part, les commentaires des enfants, on ne les connaît pas. On sait, puisqu'il n'y en a pas dans ce carnet, mais on sait qu'ils ont tenu, certains d'entre eux au moins, des journaux. Et quand on regarde les deux pages, les seules choses que je donne comme comparaison du côté des enfants, c'est les deux pages du de Montpensier. Elle ressemble beaucoup au journal de Jean Lys. C'est-à-dire qu'on voit que les enfants écoutent ce qu'on leur apprend, prennent des notes et à la fin produisent un journal qui ressemble beaucoup à celui de, avec quelques naïvetés supplémentaires, à celui de Jean Lys. Voilà ma réponse. Très bien, merci. On a également une proposition de Pascal Morniche qui demande si peut intervenir sur la particularité des princes d'Orléans en ce qui concerne les voyages. Donc, je vous donne la parole rapidement. On a un peu de retard sur le planning, mais si vous voulez effectivement intervenir, je vous en prie. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup de me laisser intervenir. Je voulais rappeler, parce qu'on s'étonne de la liberté qu'ont les princes d'Orléans à voyager, et vous l'avez parfaitement expliqué, mais je voulais rappeler la différence vraiment royaux et non pas des princes de sang. Là, avec les Orléans, on a effectivement des enfants qui ne sont pas appelés à gouverner, qui ne sont pas appelés à aller au pouvoir, et donc qui ont cette liberté presque d'aristocrate. Et non pas de prince. Et cette liberté d'aristocrate fait que Monsieur Bessir a parfaitement expliqué toute cette liberté de déplacement. Ils n'ont qu'une toute petite maison. Il n'y a pas les moyens pour les princes royaux. Et les princes royaux font presque la même chose, mais hélas, en restant à Saint-Germain-en-Laye ou à Versailles, mais simplement, ce sont des gens qui se déplacent pour les voir. C'est-à-dire que l'art manuel, je pense à Martine Reed qui parlait de l'art manuel comme une grande originalité chez les Orléans, mais non, ce sont à Versailles, si je dis à Versailles pour simplifier, on a des tours à guillochets, on a des forges, on a des choses, mais c'est à l'intérieur du château de Versailles. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la même optique. De la même manière, on parle de précepteurs étrangers, mais que veut dire étranger à cette époque-là, quand à Versailles il y a énormément de personnes qui ne sont pas des rénicoles, mais qui donc enseignent les langues aux enfants. Donc voilà, c'est cette particularité des enfants d'Orléans qui ne sont plus appelés à régner, qui fait qu'ils ont cette liberté de voyage, cette ouverture d'esprit, on va en parler toute la journée, mais pour eux, ce qui, c'est pas une originalité, c'est en fait le principe, et je m'arrête là, c'est que les princes royaux sont, eux, bloqués à Versailles, si on peut dire, bloqués par l'étiquette, le protocole, la sécurité. On parle beaucoup de sécurité de nos jours, mais il y a une vraie sécurité. Hein. Vous avez expliqué qu'ils étaient incognito, Monsieur Bessière. Voilà. Donc, il y a aussi tout le problème du comportement curial et du comportement à la cour. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant écouter Marie-Emmanuelle Plagnol-Dieval. Marie-Emmanuelle Plagnol-Dieval est spécialiste en littérature française du XVIIIe siècle. Vos travaux portent sur le théâtre du 18e, et notamment les théâtres d'éducation et de société. Vous êtes, je crois, professeur à l'université de littérature française à l'Université de Paris 10, et vos travaux sur Madame de Genlis remontent à votre thèse de doctorat sur le théâtre de Madame de Genlis en 1987. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages sur Madame de Genlis, et notamment une très utile bibliographie des écrivains, bibliographie de ses écrits dans la collection bibliographie des écrivains français, qui recense manuscrits, éditions imprimées, etc., études critiques, études biographiques, ouvrage très utile dans les bibliothèques, je peux en témoigner.
Vous avez aussi publié à la Voltaire Foundation un ouvrage, Madame de Genlis et le théâtre d'éducation au XVIIe siècle, qui était un ouvrage assez novateur. Et vous terminez, je crois, une anthologie des théâtres d'éducation au XVIIIe siècle, apparaître prochainement chez Garnier, en deux tomes, avec un grand nombre de collaborations. Voilà, donc vous êtes particulièrement spécialisé dans le théâtre d'éducation et votre intervention est intitulée « Théâtre à l'usage des jeunes personnes ». Voilà, Madame, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie évidemment les organisatrices de cette exposition et de cette journée d'études et Delphine Picard qui veut bien assurer le partage d'écran et le défilement des diapositives. Alors en fait, comme beaucoup de choses ont été dites et que je ne veux absolument pas les reprendre, on peut faire passer les slides 2, 3, 4 et 5 qui en fait montrent successivement la place tenue par Madame de Genlis au sein de la famille d'Orléans à travers un certain nombre de manifestations, dont le fameux voyage aux eaux de Spa qui donne lieu effectivement aussi à un journal hein, dont j'ai envoyé les références, qui a été préfacé d'ailleurs par Dominique Julia également, hein, dont j'ai envoyé les références dans le chat, et puis d'autres gravures qui montrent encore une fois Madame de Genlis, la fameuse leçon de harpe sous deux versions. Et du coup, je passe sur mon introduction qui était essentiellement biographique et qui est totalement inutile après les renseignements donnés par Martine Reed, pour aborder donc la question de l'entrée en écriture de Madame de Genlis et ce passage de la mondanité à l'éducation qui sera ma première partie. Ensuite, une analyse des raisons du succès du théâtre d'éducation. En troisième point, quelque chose sur la réception qui vient combler un manque dans une Europe et une librairie d'éducation à dimension européenne. Donc, Madame de Genlis se lance dans l'écriture après cette éducation assez désordonnée, hein, qui sans doute explique plus tard sa culture d'autodidacte et une tendance à l'exhaustivité pédagogique et littéraire. Elle se lance dans l'écriture avec trois comédies d'inspiration marivaudienne, Les fausses délicatesses, La mère rivale, L'amant anonyme, qu'elle prétend avoir écrites en 15 jours et qui sont publiées de manière anonyme, comme il se doit lorsqu'on appartient au groupe social auquel elle appartient, et publiées donc de manière anonyme dans le Parnasse des Dames de Billardon de Sauvigny, sous le titre « Pièce d'une jeune dame ». Alors, ces comédies donc relèvent du théâtre de société. Elles intègrent des intrigues amoureuses et une distribution mixte. J'insiste, ça paraît absolument évident, mais ce sont des points qui seront totalement interdits dans le théâtre d'éducation tel qu'elle va le concevoir. Ces comédies donc connaîtront par la suite quelques éditions séparées et surtout, elles prendront place dans le tome 6 du théâtre à l'usage des jeunes personnes, la deuxième édition, celle de 1785. Ce qui change donc, c'est ce passage progressif de la mondanité à l'éducation lorsque Madame de Genlis, à partir de 1776, commence à écrire ses pièces de théâtre d'éducation pour ses deux filles, Caroline et Pulchérie, alors âgées de 10 et 8 ans. Les premières pièces sont composées durant et tout de suite après un séjour à Spa. Elle s'intitule « Agar dans le désert », donc une pièce d'inspiration religieuse, et puis deux petites pièces vraiment enfantines, « Les flacons » et « La colombe ». Ces pièces sont d'abord jouées. Madame de Genlis les joue avec ses filles devant une soixantaine de spectateurs sur, dit-elle, un petit théâtre de société. Mes citations sont empruntées aux mémoires de Madame de Genlis publiées en 1825. Devant le succès, elle écrit d'autres pièces, Les dangers du monde, La curieuse, vous allez retrouver les titres sur des slides plus tard, et elle les fait représenter cette fois dans une salle de 500 personnes prêtée par une société bourgeoise. Alors, une société bourgeoise, c'est en fait des comédiens amateurs qui ne jouent pas dans une demeure privée et qui louent une salle. Marmontel, D'Alembert, Buffon, La Harpe sont parmi ses premiers admirateurs, extrêmement élogieux, et entraînée par ce succès, dit-elle, elle compose « La Belle et la Bête »,
jouées dans le cours de l'hiver avec l'enfant gâté. Toutes ces pièces ont le même succès, excitent le même enthousiasme, écrit-elle encore dans ses mémoires. Et durant cet hiver 1777-1778, elle compose deux autres pièces d'inspiration merveilleuse qu'elle joue dans un cadre plus restreint, mais pendant 8 mois, donc à un rythme qui est celui du théâtre de société, qui est un petit peu plus long d'ailleurs que le type de représentation qu'on a d'habituellement, elle-même jouant les rôles d'adultes avec une de ses amies, Madame Potocka. Et elle conclut « J'avais passé un hiver très brillant, ses succès m'avaient mise fort à la mode ». Donc, ce qui commence comme une entreprise mi-mondaine, mi-familiale, va devenir une entreprise éducative avec les deux éditions. Donc, Madame de Genlis ne pensait pas publier ses pièces. Elle s'y résout en 1779 pour aider 3 frères nobles en proie à des soucis financiers et juridiques. Et en 79-80 paraît le théâtre à l'usage des jeunes personnes. Alors, on peut peut-être regarder l'estampe qui est la slide 6, dont on voit, voilà, qui n'est pas une illustration de l'édition de théâtre, mais qui est une estampe représentant Madame de Genlis à sa table de travail. Et si on regarde la slide suivante, on a le détail des ouvrages qu'elle veut présenter, donc les Annales de la Vertu, le théâtre d'éducation, la fameuse devise pour éclairer, tu te consumes, et la slide suivante. Voilà, un exemple d'un quatrain, donc de Billardon de Sauvigny, qui montre dans quel contexte extrêmement élogieux naissent ses œuvres. Donc, slide suivante, si vous voulez bien, la 9. Voilà, cette première édition en 4 volumes, parue donc en 79-80, comporte donc, vous voyez, une série de pièces, hein, 4 volumes, qui à la fois juxtaposent une pièce religieuse, Agar dans le désert, des pièces d'inspiration merveilleuse, La Belle et la Bête, Le Flacon, L'Île Heureuse. C'est un merveilleux très rationalisé et très éducatif, L'Enfant gâté, La Curieuse. Le tome 2 s'ouvre à des pièces prenant leur inspiration dans un fait divers de charité, L'Aveugle de Spa, par exemple, et puis un certain nombre de défauts, de situations. Voilà, certaines pièces renouant avec la comédie de caractère, comme la dernière pièce du tome 2, L'Intrigante. Le tome 3, vous avez toute la liste hein, sous les yeux, le tome 3 a la spécificité de regrouper des pièces à destination des garçons. Donc, ce qu'on a dit de l'indifférenciation relative hein, de l'éducation des filles, enfin d'une fille et des garçons dans le groupe de Bellechasse, se retrouve, mais traité de manière différente hein, dans l'organisation des tomes, puisqu'il y a des pièces strictement ou presque strictement féminines dans les tomes 1 et 2, des pièces exclusivement masculines dans le tome 3. Et j'attire votre attention sur le tome 4, qui se signale par l'originalité non pas des personnages représentés, à la différence du tome 3, mais par l'originalité du lectorat visé, puisque, je cite Madame de Genlis, « il est uniquement destiné à l'éducation des enfants de marchands, d'artisans, et même les personnes au-dessous de cette classe ». Et en effet, c'est un tome tout à fait particulier, assez rare dans l'ensemble des corpus des théâtres d'éducation, au moins par son unité voulue, puisqu'il met en scène donc des groupes sociaux qui ont rarement accès à la scène théâtrale. La Rosière de Salency, à travers donc une sorte de reportage sur cette institution sociale et morale, et puis des pièces de condition hein, qui empruntent évidemment cette idée de la représentation de ce qu'on appellerait avec un très gros anachronisme des catégories socio-professionnelles, mais emprunté évidemment au drame bourgeois et à Diderot, des pièces de condition comme La Marchande de mode, La Lingère, Le Libraire, hein, les titres sont éloquents, parfois mêlés à une intrigue plus ou moins factice comme Le Vrai Sage,
le portrait ou les rivaux généreux. Et Madame de Genlis rappelle que pour ce volume, qui donc encore une fois mêle morale générale et code déontologique de certaines professions, elle a reçu la visite d'une députation de corps de marchands de Paris. Forte d'un accueil favorable, donc on peut passer à la dernière diapositive, slide, Madame de Genlis donne en 1785 une édition en 7 volumes qui comporte cette fois-ci un tome entièrement de pièces religieuses, dont vous avez les titres, 4 tomes de théâtre d'éducation, donc à l'usage des jeunes personnes, qui reprennent dans un ordre légèrement différent les tomes de 79, et puis 2 tomes de théâtre de société, dans lesquels sont réintégrées les premières pièces composées par elle, qui donc s'ouvrent à des héros légèrement plus âgés et surtout à quelques intrigues amoureuses. Donc voilà le corpus théâtral qui part donc de représentations, encore une fois, mi-familiales, mi-mondaines, d'une écriture de théâtre de société pour s'orienter vraiment vers une écriture de théâtre à l'usage des jeunes personnes, dont je vais essayer maintenant d'analyser les raisons du succès. Alors, première marque de succès, me semble-t-il, cette sorte de marque déposée de Madame de Genlis à l'usage des jeunes personnes. Les corpus de théâtre d'éducation associent très généralement le genre théâtre, pièces, comédies et les destinataires. Ces choses courantes au XVIIIe siècle, théâtre de la jeunesse, déclinable en demoiselles, jeunes gens, etc. On le trouve chez Moissy, chez Madame de Lafitte, qui précède Madame de Genlis. Mais Genlis en fait véritablement une marque personnelle et elle va signer de très nombreux ouvrages sous la périphrase « Par l'auteur du théâtre à l'usage de la jeunesse ». Et surtout, elle va fixer pour un certain temps les principes de ces corpus de théâtre d'éducation, principes qui seront repris en partie par des auteurs tels que Berquin dans les pièces publiées dans la publication périodique de l'Ami des enfants. C'est-à-dire qu'elle modélise le genre au moins pour quelques années. Autour de quels principes le modélise-t-elle? Des principes qui, à mon avis, peuvent expliquer ce succès extrêmement important et quasi unanime. Tout d'abord, les sujets sont essentiellement contemporains. Ils représentent le lectorat, auditorat et lui parlent directement. C'est ce que je voulais dire dans mon titre « Un théâtre pour et par les enfants ». Alors certes, il existait déjà une forme de coexistence au sein des répertoires de collège de sujets religieux que le théâtre d'éducation hors collège reprend, chez Villemain d'Abancourt par exemple, ou dans ce fameux tome 1 de pièces religieuses, et de sujets d'orientation contemporaine déjà dans les collèges jésuites, oratoriens. On mettait en scène des comédies avertissant sur les dangers du jeu, de la tyrannie, de la mode. Et cette contemporanéité était déjà une marque de fabrique de Madame de Maintenon dans ses proverbes et un facteur décisif de l'extension de ses corpus. Mais Madame de Genlis se saisit vraiment de cette forte valorisation du quotidien en créant un théâtre avec ses intrigues propres qui doit relativement peu à la tradition. Les pièces exploitent vraiment le champ offert par une pédagogie quotidienne. On passe de la morale pure à l'enseignement pratique des enfants, des jeunes, filles et garçons et du peuple. C'est-à-dire qu'on offre un modèle pédagogique aux parents et aux éducateurs de tout milieu ou presque. Les stratégies d'édification, d'éducation sont efficaces et adaptées aux âges concernés. Il s'agit de stigmatiser le mal, de montrer le bien, de glorifier la conversion selon un idéal de perfection qu'exploitait déjà un petit peu la comédie de mœurs quand elle dépassait le simple constat statique.
satirique ou la comédie morale, hein, dans le cadre de pièces, par exemple, de Des Touches. Mais on va encore plus loin et Madame de Genlis n'hésite pas à célébrer la vertu, hein, sans tâche, hein, sans attache, presque sans intrigue, et à proposer des exemples à suivre sur le plan religieux, moral, social, voire politique. Certaines pièces donc font presque l'économie de l'intrigue et ne tiennent que par le discours et le débat moral qui peut s'apparenter à l'étude d'un cas. On trouve cet exemple notamment dans une pièce comme le bal d'enfant ou le duel, en dépit de son titre un peu spectaculaire, hein, qui est vraiment une étude des différents cas de conscience qui peuvent se présenter à un jeune garçon âgé d'une dizaine d'années dans le milieu aristocratique. Les principes régissant la composition des personnages sont également simplifiés. Le plus souvent, les personnages sont fabriqués, je dirais, en fonction d'un principe d'opposition dans des pièces assez manichéennes, deux frères, deux sœurs, deux amis, deux groupes d'amis, hein, selon le nombre de personnages mis en scène. C'est une structure qui est bien au théâtre d'éducation, qu'utilisent beaucoup d'autres auteurs en dehors de Genlis, hein, qui évidemment fonctionne extrêmement bien par sa simplicité. Hein. Un personnage mauvais, ou tout au moins temporairement imparfait, va-t-on dire, hein, se trouve face à un vertueux ou à un groupe de vertueux, et évidemment, il se trouve soit éliminé dans le pire des cas, soit le plus souvent converti à la fin de la pièce par le nombre et par l'exemple. On trouve également des personnages organisés selon un principe de gradation du plus imparfait au plus vertueux. Cela fonctionne très bien lorsque l'on met en scène une nombreuse fratrie ou dans les pièces de condition, hein, toutes les ouvrières de la marchande de mode qui, selon la longueur de leur stage chez la dite marchande, acquièrent de plus en plus de vertus. Et cette structure, évidemment, fait valoir les principes de l'éducation, de l'autorité et de la hiérarchie. Les spectateurs, lecteurs, acteurs, hein, de ces corpus vont ainsi retrouver des personnages récurrents relativement proches d'eux. Alors certes, il y a des personnages hérités de la tradition théâtrale et notamment de la tradition religieuse en usage dans les collèges, mais ils sont relativement limités. C'est d'ailleurs ce fameux tome 1 de la deuxième édition qui attire des critiques, hein, envers Madame de Genlis. Donc des personnages connus, Agar, Ismaël, Abraham, des personnages récurrents, Isaac et Joseph, hein, qui appartiennent à de véritables séries de pièces, hein, parce que leur âge et la leçon qu'ils incarnent se prêtent à de multiples réécritures convergentes. Très peu de personnages merveilleux, hein. Je parlais de ces pièces qui, y compris celle intitulée La Belle et la Bête, hein, qui en fait édulcorent, rationalisent le merveilleux pour des raisons morales et pédagogiques, hein. La vertu se gagne, elle ne s'acquiert pas par un coup de baguette. Et au contraire, ce qui fait évidemment la nouveauté de ces corpus de Genlis et des autres auteurs de théâtre d'éducation, c'est cette véritable galerie de nouveaux personnages proposés par les théâtres d'éducation. Des parents, des enfants, des gouvernantes, des gouverneurs, des serviteurs renouvelés qui deviennent des amis, des auxiliaires, et surtout la présence extrêmement importante, hein, d'enfants de tous âges, contrairement à une tradition théâtrale qui était quand même extrêmement avare en présence enfantine et plutôt encline à les vieillir dans leur représentation et dans leur langage, hormis quelques exceptions, évidemment Louison chez Molière. Ces nouveaux héros ne sont pas présentés seuls, mais dans un entourage familial complet de parents, de frères et sœurs, de cousins, et ils sont présentés dans leur quotidien. On le voit à travers les indications de décor, les occupations, les relations, les défauts et les qualités. Alors, tous ces personnages d'enfants et de jeunes, vertueux, parfois imparfaits, mais prompts à se convertir, hein,
toujours amendables, sont présentés sans ambiguïté au public destinataire à travers des portraits soit fixes, soit en action, qui établissent une axiologie extrêmement nette, puisqu'évidemment, la pièce mime la marche vers la vertu que le spectateur, acteur et éventuellement lecteur doit lui-même adopter. Les pièces adoptent également une temporalité propre à l'éducation de l'enfant et du jeune. Le théâtre d'éducation privilégie la notion de crise qui permet de contracter les événements lorsqu'il y en a, dans des périodes antérieures évidemment à la scène d'exposition. Donc les scènes d'exposition sont généralement assez longues parce qu'évidemment ce temps de l'avant-représentation est nécessaire dans un théâtre moral où ni les défauts, ni les vertus, ni les conversions ne peuvent surgir inopinément. Et donc, on présente un état moral, une situation, et ensuite, un événement plus ou moins prévu agit comme un catalyseur et met en branle le système démonstratif. Évidemment, la notion d'épreuve, chère au théâtre, particulièrement au XVIIIe siècle, si présente dans les utopies et les projets éducatifs, est très souvent utilisée. Alors, un bémol, évidemment, à ces éléments qui paraissent très novateurs, et qui le sont pour l'époque, j'insiste sur la relativité de la réception de l'époque, de celle du 19e et puis de la nôtre aujourd'hui, ce sont les limites du langage édifiant qui est prêté à ces enfants et à tous ces personnages. Les théâtres d'éducation fonctionnent sur une redéfinition d'un langage à la fois théâtral, mais un langage moral propice évidemment aux formules générales, abstraites, et l'enjeu est de les fondre dans un langage original, édifiant et théâtral, qui repose sur une économie particulière de la parole. Chaque action, chaque réplique, chaque personnage, évidemment, appelle un discours et s'insère dans un ensemble moral. C'est vrai que ces pièces peuvent apparaître comme de gigantesques leçons de morale théâtralisées, plus ou moins habiles parfois, et nul ne s'étonnera de la propension évidemment à multiplier les abstractions morales, les distinguos subtils, des sentences plus ou moins longues, plus ou moins habilement disséminées, des scènes de morale et de véritables fragments de catéchisme, suivant un système de questions-réponses, notamment bien dans les pièces sur le monde du travail. Et c'est vrai que ces fragments de catéchisme représentent l'intrusion la plus nette d'un discours qui vient d'un autre champ réflexif, mais que Jean-Lys, évidemment, justifie par l'efficacité pédagogique. Reste à évaluer si cette tentative de fusion entre discours moral et dramatique respecte la vraisemblance anthropologique et psychologique d'une enfance et d'une jeunesse apparemment redécouverte. Je laisse la question ouverte. Quoi qu'il en soit, la réception du théâtre jean-lysien montre qu'il vient combler un véritable manque dans la librairie conçue pour la jeunesse. La publication rencontre un immense écho auprès de la critique, dans les journaux de l'époque. De nombreuses traductions quasi immédiates dans presque toutes les langues européennes, allemand, anglais, italien, néerlandais, polonais, soit de l'ensemble des volumes ou de pièces séparées, témoignent de cet engouement, auquel il faut ajouter évidemment la lecture en français dans tous les pays de l'Europe où l'on parle évidemment français de ces textes, dont on loue la simplicité de l'intrigue, l'utilisation de la prose et cette atmosphère de réalia, encore une fois, qui met de manière extrêmement nouvelle en scène un message moral adapté à des jeunes des deux sexes, appartenant à différents groupes sociaux, et seul le tome des pièces religieuses de 85 commence à attirer quelques critiques. Ce théâtre d'éducation s'insère dans une véritable Europe de la littérature éducative, et on en a la preuve donc par la multiplication des éditions et des traductions et des rééditions
non seulement dès la parution des deux éditions de théâtre de Madame de Genlis, hein, qui seront suivies d'autres éditions en France, donc des publications, des traductions quasi immédiates, mais qui, encore une fois, s'étendent jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et l'exemple de Genlis donne des idées à certains pays. Hein. Ainsi, en Espagne, la littérature à l'usage de l'enfance se développe après la publication du théâtre de Madame de Genlis et d'autres œuvres de Madame de Genlis. Et entre la France et l'Allemagne, on observe des transferts extrêmement intéressants après la traduction des théâtres de Moissy et de Jean-Paul André de Razin. Hein, les traductions des pièces de Genlis se développent durant les années 80 par des traducteurs plus ou moins connus, Albrecht Wittenberg, mais également Christian Félix Weisse, qui écrit évidemment pour les enfants, qui est également le traducteur des Veillées du Château. Et Madame de Genlis elle-même fait une adaptation de la tragédie de Klopstock, d'Ertot Adams, La mort d'Adam, hein, cette pièce publiée en 1757 par Klopstock, qui a été largement diffusée par le nouveau théâtre allemand d'André Chrétien Friedel et Nicolas de Bonneville entre 82 et 85. Et cette pièce, dont le sujet ne nous paraît pas spécifiquement destiné aux enfants, connaît pourtant au moins deux adaptations à destination des jeunes. Une adaptation écrite par Villemain d'Abancourt, publiée dans un almanach, l'Almanach des enfants, de l'année 1776-1777, et Une mort d'Adam en trois actes, imité de l'allemand de Madame de Genlis, qu'elle place en tête du tome 1 du théâtre à l'usage des jeunes personnes en 7 tomes dans l'édition de 85 que j'ai déjà évoquée. C'est donc la preuve hein, de transfert réciproque dans une véritable Europe, encore une fois, de la littérature de jeunesse. Alors, je conclue rapidement. Dans l'œuvre immense, on l'a déjà dit, pour ne pas dire prolifique, de Genlis, les tomes du théâtre d'éducation occupent une place singulière. Ils sont une œuvre de jeunesse, puisque leur auteur revient très rarement à l'écriture dramatique par la suite, comme en témoignent ses mémoires, même si elle continue à jouer. Mais ces pièces, donc rééditées et traduites dans l'Europe entière, hein, prouvent évidemment démontre un caractère novateur hein, qui très certainement a été porté par la faveur pédagogique hein, caractéristique du XVIIIe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que je vois qu'il y a des questions ? Oui, on a eu une question sur le chat. A-t-on des témoignages de l'usage du théâtre dans le cadre de l'apprentissage des langues étrangères, notamment pour faire jouer les enfants dans une langue étrangère? Oui, alors on a effectivement quelques fragments qui sont publiés dans des guides de conversation. On a quelques exemples pour Madame de Genlis, on en a plus concernant Berquin. Hein, il existe effectivement des éditions quand on travaille sur la fortune de Berquin, hein, d'Arnaud Berquin, il existe effectivement des pièces qui ont été utilisées pour l'apprentissage des langues étrangères. Madame de Genlis, elle, dans son guide linguistique hein, d'apprentissage qu'elle écrit pour des raisons alimentaires lorsqu'elle est en immigration, en revanche, n'introduit pas d'extrait de ses propres pièces. J'espère avoir répondu à votre question. Et dans le cadre de l'éducation des enfants d'Orléans, oui, les pièces sont jouées. Je pense que Martine Reed pourrait compléter. Hein. Oui, on sait qu'il y a un certain nombre de pièces qui sont jouées. Alors, c'est un peu comme les représentations à Saint-Cyr. Hein, une fois que Saint-Cyr se referme, on n'a sans doute pas un
catalogue complet, un répertoire complet des pièces qui ont été jouées. On peut penser qu'elles sont jouées aussi par fragments, sous forme de répétition, mais effectivement, elles servent de cadre éducatif tout à fait. Hein. Et on a des témoignages, mais alors là, il faut aller à la pêche. Hein. On a des témoignages, évidemment, dans toute la littérature mémorielle, notamment dans les mémoires écrit sur la fin de l'Ancien Régime, hein, dans le cadre de l'immigration. On sait que telle famille en Angleterre, par exemple, joue telle pièce de Madame de Genlis, hein, puisqu'évidemment, en raison du cadre politique et des événements politiques, il y a une éducation domestique hein, qui se redéveloppe hein, pendant les années révolutionnaires, que ce soit en France ou dans les pays d'émigration. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être peut-on passer à l'intervention suivante de Dominique. Je vais juste ajouter quelque chose, si oui. C'est possible, parce que j'ai sous les yeux le journal de Lebrun, que j'ai regardé de très près et déchiffré, c'était assez difficile, sur la période qui correspond au journal de voyage et qui décrit donc l'éducation au jour le jour de l'homme. Bizarrement, alors ça va répondre à une question sur les extraits aussi. On lit ceci, par exemple. J'ai écrit successivement sous la dictée des deux princes les extraits du faux instinct, du jaloux honteux de l'être. Donc ça dit quelque chose sur les extraits on les dicte. Une des manières d'utiliser les extraits, c'est qu'on les prépare et on les dicte au maître qui les copie. Et d'autre part, les deux pièces, c'est des pièces de Dufresne et non pas des pièces de Genlis. Les seules pièces de théâtre qui sont mentionnées sur l'année 1788 dans le journal de Lebrun comme outil pédagogique, pas dans toute l'année 88, dans la partie correspondant au voyage, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'année 88, les seules pièces mentionnées sont des pièces de Dufresne, comme avec usage éducatif. Voilà. C'est juste un cas particulier là, qu'on peut trouver dans ces documents. Le programme de lecture, y compris théâtral, hein, de pièces de théâtre de Madame de Genlis dans Adèle et Théodore, hein, qu'évoquait Martine Reed précédemment, est extrêmement large. Hein, et effectivement, tout ce qui est de l'ordre de la comédie de caractère, de la comédie morale, hein, fait partie à la fois des lectures, sans doute de représentations possibles. Hein. C'est tout à fait… Ça va dans le même sens, hein, c'est une convergence. Hein. Monsieur Julia veut parler. Oui, sur les extraits, je pense que ce qui est intéressant dans cette pratique pédagogique, c'est que on demandait aux enfants d'écrire les résumés des pièces qu'ils avaient écoutées la veille et de les écrire. Et Madame de Genlis les commentait. De la même façon, elle commentait les extraits des lectures qu'ils venaient de faire. Alors, quand on lit les commentaires les corrections même de Madame de Genlis, on s'aperçoit qu'elle emprunte ses propres corrections à toute une série d'érudits qui c'est comme par exemple les enfants parlent de Sophocle, bon, elle va chercher chez Madame Dacier elle recopie complètement Madame Dacier. Il y aurait toute une étude à faire des recopiages opérés par Madame de Genlis dans ses corrections, c'est-à-dire que les corrections ne viennent pas d'elles-mêmes, elles viennent de toute une littérature qu'elle a dans sa propre bibliothèque. Donc c'est une pratique pédagogique qui est très intéressante parce que d'un côté, on voit ce que les enfants ont tiré de leur lecture ou de leur représentation. D'ailleurs, Madame de Genlis n'est pas dupe quand les valets ont aidé les enfants. Elle dit à Louis-Philippe, ce commentaire n'est pas de vous. Et elle dit, j'ai interdit à vos valets de vous aider dans la rédaction de ces extraits, et je recommande que ce soit suivi, que ma décision soit suivie.
Bon, est-ce que il n'y a plus d'autres questions? Peut-être nous pouvons passer alors à l'intervention de Dominique Julia. Eh bien, Monsieur Julia, vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS. Vous avez été professeur à l'Institut universitaire européen de Florence et directeur aussi du centre, avec Philippe Boutry, du Centre d'anthropologie religieuse européenne de l'EHSS. Vos travaux se sont orientés dans deux directions, l'histoire de l'éducation, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui, et l'histoire religieuse du XVIe siècle à la Révolution française. Vos publications dans le domaine de l'éducation sont extrêmement nombreuses, donc je signalerai simplement, mais c'est énorme, votre répertoire des collèges français d'Ancien Régime, que vous avez publié avec Marie-Madeleine Compère. Également vos ouvrages sur l'histoire des universités françaises et européennes. Sur l'histoire de l'éducation en général, vos recherches vous ont mené à l'éducation des princes. Et vous avez publié plusieurs articles sur Madame de Genlis. Je citerai notamment, très récemment, le journal de l'éducation des princes d'Orléans, que vous avez édité donc chez Garnier, un énorme ouvrage, l'ouvrage de Bertrand de Bernard de Bonnard. Bernard de Bonnard, le chevalier de Bonnard, qui était, je le rappelle, le prédécesseur immédiat de Madame de Genlis dans la fonction de gouverneur. Et vous venez aussi de publier un long article dans la revue Études sur le XVIIIe siècle, revue éditée à Bruxelles, article qui s'appelle « L'Empire d'une gouvernante, Madame de Genlis au service de la Maison d'Orléans ». Dans cet article, vous détaillez donc le système d'éducation de Madame de Genlis et vous dressez un tableau un petit peu mitigé, je dirais, des relations de Madame de Genlis avec ses élèves aussi, avec ses précepteurs qu'elle avait réunis autour d'elle. Voilà, donc votre intervention d'aujourd'hui est intitulée « Système curial » et souveraineté de la pédagogie, l'éducation des enfants d'Orléans sous l'autorité de Madame de Genlis. Et donc, nous allons vous écouter avec grand intérêt sur ce sujet. Voilà, c'est à vous. Parler ou écrire à propos de... parler ou écrire à propos de Madame de Genlis comprend toujours un paradoxe énigmatique. L'auteur, quel qu'il soit, est amené à prendre parti pour ou contre cet écrivain et verse souvent, soit dans le dithyrambe, soit dans une critique acérée, mais il est rare qu'il demeure indifférent. Le paradoxe s'éclaire assez rapidement lorsqu'on se reporte au texte de Madame de Genlis elle-même. C'est elle qui, par des affirmations péremptoires, veut obliger son lecteur à adopter sans réserve la vérité qu'elle prétend lui servir. Si elle écrit des mémoires enthumes, c'est, dit-elle dans la préface qui les ouvre, que la pierre sépulcrale est muette. L'authenticité des mémoires, surtout dans les temps de troubles et de factions, n'est incontestable à tous les yeux que quand l'auteur se décide à voir paraître de son vivant ses récits contemporains. L'auteur ajoute que la malveillance n'a jamais pu, dans aucun de ses ouvrages, relever un seul mensonge, une seule citation inexacte. Et si bien évidemment ils contiennent des jugements critiques, ils n'ont été émis, je cite, que pour l'intérêt de la religion et de la morale. Droiture, entre guillemets, et impartialité commandent donc ces mémoires. L'humeur et le ressentiment n'en auront pas dicté une seule ligne. Devant cette profession d'une franchise absolue, nous voilà d'emblée invités à adopter le point de vue de l'auteur. Bien évidemment, l'analyse que l'on peut faire des documents est plus complexe et nous n'avons pas à nous soumettre aux injonctions de l'auteur et à prendre ses souvenirs pour vérité d'évangile. À propos de ses mémoires, Sainte-Beuve déclarait qu'il s'agit d'une mystification. Sans aller jusque-là, on peut bien parler d'un récit de fiction et il serait temps qu'une édition critique de ses mémoires nous soit enfin proposée, permettant de contextualiser et de vérifier, s'il se peut, les propos tenus. En ligne paternelle, Stéphanie Félicité Ducrèce de Saint-Aubin appartient à un milieu de noblesse provinciale d'épée, l'extraction étant ancienne du côté du père, puisque la noblesse remonte au XVe siècle. Du côté de sa mère, la noblesse est beaucoup plus récente, acquise par l'achat d'une charge de secrétaire du roi, la Savonnette à Vilain,
par l'arrière-grand-père de Madame de Genlis, François Minard, qui est conseiller au bailliage d'Avallon et qui donc n'est en fait qu'un honnête bourgeois. Le premier mariage de sa grand-mère maternelle, Marie-Joseph Minard, a été contracté avec un avocat assez obscur, Moguet de Mézières, qui est un simple bourgeois de Paris. Ce sont donc les degrés de noblesse en lignage paternel, c'est-à-dire les générations en lignage paternel, qui permettent à Stéphanie Félicité d'entrer à l'âge de 6 ans au chapitre noble d'Alix, qui exige des demoiselles qui veulent y entrer la présence de 5 degrés de ce côté-là et un seul du côté de la mère. Même si l'expérience qu'elle y fit ne dura que quelques semaines, il ne fait pas de doute que le sens de la distinction nobiliaire est ancré chez Stéphanie Félicité dès son plus jeune âge. Ce sens s'accompagne de bien des accommodements, puisque la cousine de Stéphanie Félicité, reçue chanoinesse d'Alix en même temps qu'elle, avec les mêmes exigences de noblesse, est en réalité une fille illégitime du fermier général Lenormand, roturier, qui a été adoptée au moment de son mariage par un cousin germain du père de Stéphanie, qui a reconnu au moment de son mariage des enfants naturels. Et comme ces enfants naturels n'étaient condoyés, ils ont été baptisés et du coup, ils sont devenus les enfants du cousin du greffe. Félicité est élevée par sa marraine, cette chanoinesse d'Alix, qui est la cousine de Stéphanie Félicité, s'appelle aussi Marie-Françoise Félicité. Elle est élevée par sa marraine, qui, elle, est l'une des maîtresses du fermier général. Toute l'enfance de la comtesse de Genlis s'est déroulée donc sous le signe de l'intrigue, du théâtre, des lettres, puisque la tante comme la mère sont aussi des femmes de lettres et que Madame Moguet de Mézières, la mère de Madame de Genlis, a écrit Le danger des liaisons, ce qui nous renverrait à savoir quelles ont été les relations de Madame de Genlis avec Choderlos de Laclos quelques 30 ans plus tard. La fortune du destin exceptionnel de Madame de Genlis doit beaucoup à l'entregent de sa tante et de sa mère et a enjambé 3 barrières successives qui, pour toute autre qu'elle, auraient été infranchissables. Le premier saut est facilité par cette tante à la mode de Bretagne, Catherine Chaussin-d'Urly, veuve du marquis de Bellevaux, qui est en 1753 sa marraine à Saint-Eustache, tandis que son parrain est le fermier général Étienne-Michel Bourret. Celle-ci a ouvert à sa mère et à elle les portes des hôtels des fermiers généraux, une sociabilité mondaine totalement disproportionnée par rapport à la modestie de la fortune paternelle. Ensuite, le mariage en 1763 avec le comte de Genlis l'a fait entrer dans la famille Brûlard de Siry, une famille ministérielle depuis plusieurs générations. Son oncle par alliance est le marquis de Puisieux, ancien ministre des Affaires étrangères, dont l'épouse est la petite-fille de Louvois, et elle est admise aux honneurs de la cour le 20 octobre 65, soit 6 semaines après la naissance de sa première fille, Caroline. Enfin, la demi-sœur de sa mère, qui est à peine plus âgée qu'elle, de 6 années, est au moins, à partir de 1769, la maîtresse du duc d'Orléans, père, dont elle devient l'épouse morganatique en 1773. C'est en fait cette dernière qui fait entrer sa demi-nièce à la cour des Orléans. Sans nier aucune des qualités propres à Stéphanie Félicité, reconnaissons que son ascension ne doit rien au hasard, mais à une série de rencontres qu'elle et sa mère ont su faire fructifier. Par son autodidaxie et sa fringale inextinguible de lecture, Madame de Genlis peut écrire d'elle-même avec la modestie dont elle est coutumière « Je n'ai été étrangère à rien, j'ai pu parler passablement de tout, mais je n'ai su parfaitement que ce qui se rapportait aux beaux-arts, à la littérature, à l'étude du cœur humain, parce que telles étaient mes passions. » De tels talents offrent à celles qui les possèdent des atouts précieux pour briller dans les conversations de cour. Ce n'est pas le lieu ici de raconter l'ascension de Madame de Genlis à la cour d'Orléans. L'histoire en est bien connue. À peine entrée comme dame d'honneur de la duchesse de Chartres en 1772, elle entreprend de refaire l'éducation de celle-ci qui n'a que 19 ans, alors qu'elle est devenue dans le même temps la maîtresse de son mari. Elle maîtrise à la perfection tous les codes de la cour, sait se rendre par ses talents multiples indispensables, apparaissant par sa soif de lecture et sa conversation brillante comme une intellectuelle dans un milieu qui ne manifeste pas une appétence aussi vive pour la littérature. En décembre 1777, après la naissance des 2 jumelles, alors qu'elle devient immédiatement gouvernante de celle-ci, elle propose au duc de Chartres
la nomination de Bernard de Bonnard comme sous-gouverneur. Cette nomination est le résultat d'une négociation qu'ont menée Buffon et le général de Maillebois, dont Bonnard est alors l'aide de camp. Tous deux savent que le canal des grâces du duc de Chartres est Madame de Genlis. À cette date, celle-ci n'est pas encore en mesure de postuler pour elle-même cette position, qui est en règle générale attribuée à des militaires. Elle n'a pas non plus acquis encore la réputation d'être une femme de lettres particulièrement experte dans le champ de l'éducation. Par l'obscurité de sa naissance et son origine provinciale, Bonnard ne peut en aucun cas, pense-t-elle, devenir un obstacle pour elle, et sera entre ses mains un instrument docile, puisqu'il lui devra tout, selon le contrat curial qui lie un patron, en l'occurrence elle-même, à son client qui lui doit en retour une fidélité indéfectible. Le chevalier de Bonnard ne prend ses fonctions que le 7 novembre 1778. La publication en 2019 de son journal d'éducation, qui était resté inédit jusqu'à aujourd'hui, apporte plusieurs éléments qui mettent à mal le récit des mémoires de Madame de Genlis. Tout d'abord, il n'est pas simplement le poète médiocre qu'elle se plaît à décrire, ni le pédagogue nul qui n'a rien appris à ses élèves. En second lieu, l'éviction du chevalier de Bonnard n'est pas née d'une conversation impromptue entre la gouvernante des princesses et le duc de Chartres, mais le résultat d'un plan médité et concerté de longue date et dont les prodromes remontent au début de 1780. Enfin, à plus de 30 ans de distance de la mort du chevalier, un reproche majeur lui est adressé. En refusant de travailler sous ses ordres, il a rompu le pacte de fidélité qui le liait à celle qu'il avait fait nommer et fait preuve d'ingratitude. « J'ai toujours eu, dit Madame de Genlis, la crédulité de compter sur l'amitié qu'on m'a promise. Sa colère et son mécontentement me surprirent et m'affligèrent. Je lui répondis que je le priais d'y bien réfléchir, que s'il restait, il trouverait toujours en moi une amie, que je pourrais dans la suite lui devenir d'autant plus utile que ne voulant rien pour moi, je m'en occuperais davantage du sort de ceux qui seraient attachés à l'éducation et que j'aurais, plus qu'un autre, le droit de demander des grâces pour eux. On est bien ici dans le système clientélaire qui règle les rapports à la cour. » Madame de Genlis a rapidement perçu que Bonnard ne partageait pas sa conception de l'amitié. Le mariage qu'il a contracté le 12 septembre 1780 en l'église Notre-Dame de Versailles avec Sophie Sylvestre, héritière d'une longue dynastie de graveurs qui appartiennent depuis des générations à la domesticité curiale, ne doit rien à l'entregent de la gouvernante. Et la preuve en est que sa signature ne figure pas au contrat de mariage. Et ce mariage l'émancipe de sa tutelle. Mais la gouvernante des filles du duc d'Orléans s'est à merveille profité des circonstances. Lorsqu'un rhumatisme inflammatoire éloigne Bonnard de l'éducation des princes, du 11 octobre au 17 novembre 1781, la rumeur de sa maladie enfle à la cour des Orléans. On s'interroge sur sa capacité physique à garder sa place. Et lorsqu'à l'issue de cette période, il se rend au pavillon de Bellechasse avec les petits princes, on le trouve bien changé. Enfin, Madame de Genlis a choisi le moment de l'éviction. Depuis la nomination de Bonnard en 1777, elle est devenue, comme on l'a vu dans les communications précédentes, une femme de lettres reconnue. Elle a publié donc son théâtre à l'usage des jeunes personnes, je n'y reviens pas, puis en 1781, les Annales de la Vertu. Elle fait délibérément coïncider sa nomination avec la publication de son livre « Adèle et Théodore ou Lettres sur l'éducation ». Sa nomination est publique le 5 janvier 1782 et le livre sort le 18 janvier, soit moins de 15 jours plus tard. Il est clair que le nouveau gouverneur pensait, par cette publication, retourner en sa faveur l'opinion publique. Dans ses mémoires, Madame de Genlis écrit qu'elle a toujours mieux aimé s'occuper de ce qu'elle créa, de ce qu'elle créait plutôt que de ce qui était. Je cite, « Je n'ai jamais considéré l'avenir que comme un rêve où l'on peut placer tout ce que l'on veut. » On peut se demander si cette phrase ne pourrait pas s'appliquer exactement à l'éducation des princes d'Orléans. Elle a atteint, en effet, avec ses nominations de gouverneur, le rêve qu'elle poursuivait avec ténacité. Elle dispose, comme elle ne cesse de le répéter, d'un pouvoir absolu sur les enfants. Et ce pouvoir lui a été délégué par le duc et par la duchesse d'Orléans, qui sont père et mère des enfants. Cette position est sans réplique possible de la part de ses subordonnés. Et la gouvernante entend bien exercer pleinement son empire. Dans les leçons d'une gouvernante, plaidoyer pro domo sua, au moment où elle est congédiée en 1791, elle affirme
et l'attachement passionné que lui vouait la duchesse, et le désintérêt total de celle-ci vis-à-vis de l'éducation de ses enfants, la preuve administrée étant que la princesse ne se rendait que rarement au château de Saint-Lô. Sur le premier point, il est clair que Marie-Adélaïde de Bourbon a conscience des lacunes de sa culture et de son infériorité intellectuelle devant la comtesse de Genlis. Elle sait tout ce qu'elle lui doit, puisque dès son arrivée, cette dernière lui a servi de préceptrice. Elle a donc très certainement abandonné ses responsabilités d'éducatrice et de mère à celles qu'elle estimait plus aptes qu'elle-même à les remplir. Louis-Philippe, dans ses mémoires, déclare que Madame de Genlis n'aurait jamais réussi à remplacer le chevalier de Bonnard sans l'ascendant qu'elle avait pris sur l'esprit de ma mère. Cet ascendant était tel alors que je sais positivement que ma mère a beaucoup pressé mon père de confier notre éducation à Madame de Genlis et qu'elle a spécialement contribué à l'y déterminer. Sur le second point, les affirmations de Madame de Genlis doivent être décryptées. Elle rappelle d'abord qu'au moment de son entrée en fonction, la duchesse et le duc lui ont dit qu'elle serait la maîtresse absolue et que seule, elle disposerait du sort et des places des personnes attachées à l'éducation qui seraient sous ses ordres. Elle reconnaît ensuite que la princesse voit très peu ses enfants et n'a jamais d'entretien particulier avec eux, et c'est la raison pour laquelle elle écrit un journal dont, ajoute-t-elle, malheureusement pour moi, elle n'a lu que 4 ou 5 articles. Cet éloignement volontaire tient au fait que la duchesse, dit-elle, s'en reposait entièrement sur moi et pensait qu'ayant plus d'expérience que moi, mes soins seraient plus utiles que les siens. Jamais elle ne m'a fait une seule question sur ses enfants, sur leurs études, sur leurs progrès. On apprend toutefois que la princesse vient tous les jours à Bellechasse, mais toujours aux seuls ordres où ses enfants ne sont pas dans la chambre de Madame de Genlis, afin, ajoute-t-elle, que je ne puisse attribuer ses visites qu'à l'amitié dont elle m'honorait. Elle ne se rend à Saint-Leu qu'à l'heure du déjeuner ou des promenades. Elle ne s'y était établie en 12 ans que 3 ou 4 fois, je cite, au temps où nous avons joué la comédie, parce qu'alors les études étaient suspendues et que je pouvais passer avec elle la plus grande partie des journées. Ce qu'avoue en réalité Madame de Genlis, c'est qu'elle a exigé de la duchesse d'Orléans qu'elle ne vienne pas troubler par sa présence l'ordre pédagogique instauré par la gouvernante et l'emploi du temps minutieux qu'elle a imposé. Ainsi, la mère a-t-elle été délibérément mise à l'écart d'un processus pédagogique dont elle n'est qu'un témoin d'autant plus éloigné que le centre de l'éducation s'est déplacé du palais royal au pavillon de Bellechasse, où à partir de 1785, les enfants passent 10 heures par jour, et au château de Saint-Leu, situé à une 30 kilomètres de Paris, et évidemment aussi au château de la Motte dont on a parlé précédemment. On mesure dès lors l'emprise psychologique qu'exerce la gouvernante sur ses élèves. À l'adolescence, Louis-Philippe avoue à sa chère maman, c'est ainsi qu'il appelle Madame de Genlis, l'amour qu'il lui porte. Mais celle-ci ne tiendra pas le rôle qu'a joué Madame de Varins auprès du jeune Jean-Jacques Rousseau. Après le départ de la gouvernante congédiée, qui a lieu le 26 avril 1791, Adélaïde entre dans des convulsions hystériques qui inquiètent son entourage au point que le duc d'Orléans envoie des courriers pour la rappeler dans la capitale. La duchesse d'Orléans a, le 5 avril précédent, rejoint son propre père au château d'Eu et prépare sa séparation définitive d'avec son époux. Le 1er avril 1791, la princesse écrit à son fils Louis-Philippe à propos de ses relations avec ses enfants. Je cite « Je pleurerai toute ma vie la faiblesse que j'aurais eue de compter trop sur la voie de la nature et de m'être persuadée que personne ne pourrait prendre ma place dans leur cœur. » En réalité, Madame de Genlis a voulu réunir en sa personne les 3 fonctions de mère, gouvernante ou gouverneur et de précepteur-préceptrice qui sont habituellement séparées et devenir en quelque sorte la seule interlocutrice adulte des enfants qu'elle doit éduquer. Cette ambition est aisément décelable dans l'océan d'écriture qu'elle produit et fait produire par ses subordonnés. Elle dispose d'une double légitimité vis-à-vis des personnes attachées à l'éducation. D'une part, la confiance renouvelée du prince et de la princesse en son égard, celle-ci doit faire taire tout murmure, contestation ou récrimination et ramener au silence les rebelles. Nombre d'éducateurs sont successivement congédiés par la gouvernante qui refuse tout tête-à-tête ou toute correspondance avec ceux-ci.
Le seul lieu où ils peuvent exprimer leurs doutes ou leurs hésitations est le journal d'éducation tenu par le précepteur Charles Gardeur Lebrun, qui note quotidiennement comment s'est passée la matinée des princes. Les remarques peuvent être transcrites sur le journal et Madame de Genlis y répond dans les marges du volume manuscrit. Les observations ou critiques sont vertement semoncées, le conflit monte très vite et le congédiement suit. Madame de Genlis sent sa position inexpugnable. Elle a bien pu faire quelques tentatives de séduction auprès des divers instituteurs qui gravitent autour des princes en leur faisant valoir l'amitié qui peut résulter de leur accord. Mais la dite amitié a ici, je l'ai déjà dit, un sens bien particulier. C'est un système de relations asymétriques qui unit protecteurs et protégés en échange d'une obéissance absolue aux ordres reçus. Celui qui est promis au rang d'ami peut attendre des grâces en retour. Et Madame de Genlis est à la cour des Orléans, le canal des grâces. D'autre part, sa légitimité se fonde sur un savoir et son expérience de l'éducation qu'aucun de ses subordonnés ne peut avoir. Son système d'éducation est un ordre du temps, comme le révèle le journal d'éducation de Gardeur Lebrun, qui est bel et bien une dissection horaire et même parfois minutée de la journée passée par les princes, chaque particule de la journée étant décrite et appréciée. Le journal fait l'objet d'un va-et-vient constant entre le pavillon de Bellechasse et le palais royal. Apporté en fin de matinée, il retournait le soir au palais royal par la voiture qui reconduisait les enfants d'Orléans. Entre-temps, il avait été élu et parfois annoté par la gouvernante. On possède même un registre du pensionnat de Bellechasse, pendant du journal de Gardeur Lebrun, où les professeurs des diverses leçons marquent, au sortir de celles qu'ils viennent de donner, les évaluations personnelles qui font de l'attitude et de l'application de chaque enfant. Registre qui est aussi celui de Mademoiselle Rime, femme de chambre, qui note tout ce que font les enfants à Bellechasse avant d'entrer dans la chambre bureau de Madame de Genlis. Bref, c'est un système panoptique et pyramidal de contrôle que Madame de Genlis a institué. Et système pyramidal qu'a très bien étudié Philippe Lejeune. C'est ici qu'il faut revenir à ses écrits. L'éducation des princes d'Orléans peut bien être lue comme une expérimentation in vivo de ce que Madame de Genlis proposait dans son livre « Adèle et Théodore », roman dont le personnage principal est la baronne d'Allemagne, porte-parole transparente de l'écrivaine, dotée de toutes les vertus, omniscience et toute-puissante, à laquelle, du fait d'une capacité d'observation étonnante, rien n'échappe. Didier Massot a fait l'analyse de ce roman de manière tout à fait passionnante dans le colloque qui a déjà été évoqué. D'où l'obsession d'une programmation sans limite, qui ne concède aucune place au hasard, ne laisse aucun instant de vacuité, rêve tout à la fois d'exhaustivité et de clôture. Se greffe sur cette fantasmatique pédagogique l'extraordinaire pouvoir accordé à l'écriture, puisque la jeune Adèle du roman est invitée à faire des extraits de ses lectures et à écrire elle-même un journal, lu et contrôlé évidemment par sa mère. Celui-ci, tout comme le journal qu'écrit la mère éducatrice, constitue l'épreuve de la validité de l'expérimentation. C'est donc bien le plan imaginé dans Adèle et Théodore qui est ici mis en œuvre. Dans l'une des lettres qu'elle écrit au duc d'Orléans à la fin de mars 1791, juste avant d'être congédiée par la duchesse, Madame de Genlis écrit « Dès qu'il n'y a plus un ordre parfait dans l'éducation, il n'y a plus rien. Dès que le chef n'a plus de la tranquillité et l'autorité, son zèle et ses talents sont inutiles. » On mesure ici et l'amertume et la solitude de la gouvernante si l'on revient à la définition qu'elle donne du gouverneur idéal dans le discours sur l'éducation du dauphin en 1790, et je terminerai par cette citation. Il n'y a donc en général qu'un seul mobile pour l'instituteur, la gloire. Un gouverneur actif, vigilant, rempli de zèle, s'il joint à ses qualités de la douceur, de la sensibilité, gagnera certainement le cœur de son élève. Il obtiendra l'estime de ceux qui seront sous ses ordres, mais quelle que puisse être la justice et même la générosité de ses procédés à leur égard, il est impossible qu'il en soit aimé. C'est le gouverneur qui recueille toute la gloire de l'éducation parce que c'est lui qui dirige, qui conduit tout. Quel autre pourrait donc attacher au succès un intérêt égal au sien ?
On suit avec ardeur le plan qu'on a tracé soi-même, mais on a le droit d'exiger de ceux qui nous secondent que de l'exactitude, et non ce zèle actif et dévorant que l'inventeur et le chef peuvent seuls éprouver. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Julia. Est-ce que il y a des réactions de la part des précédents intervenants ou des questions? Et dans la salle virtuelle, je n'en vois pas non plus. Alors, je ne sais pas si quelque chose d'autre est prévu. Alors non, effectivement, donc, pas de questions dans la discussion. Monsieur Blasset, si vous voulez peut-être conclure pour cette matinée. Et ensuite, je rappellerai les informations pour la matinée de demain. Bah, écoutez, moi, je n'ai pas de... Je voudrais remercier les quatre intervenants, là, dont les interventions ont été brillantes et passionnantes, et qui nous ont donné un éclairage nuancé, finalement, sur Madame de Genlis. Je crois que ça nous montre que, je crois qu'il y a encore beaucoup d'archives en main privée, François Bessir le rappelait tout à l'heure, à explorer, que donc on n'a pas fini de progresser sur la connaissance de son œuvre éducative notamment, mais aussi sur d'autres aspects de son œuvre d'écrivain. Elle a beaucoup écrit, on l'a plusieurs fois répété. Et donc, je crois que le champ de recherche est encore largement ouvert. On attend avec impatience la biographie de Martine Reed. Voilà, moi, je pour ma part, je n'ai rien d'autre à ajouter. Voilà. Je vous rends la parole, madame. Très bien, merci beaucoup effectivement aux intervenants. Pour demain matin, donc, la séance commencera cette fois à 9h30. Vous avez reçu le lien de connexion dans le même mail qui contenait le lien pour ce matin. Donc, on vous attend à 9h30. Je vois qu'il y a un dernier commentaire de Pascal Morniche qui remercie Dominique Julia d'avoir mis l'accent sur l'emprise de Madame de Genlis et l'élimination de la Duchesse d'Orléans. La mère et l'épouse face à cette maîtresse absolue, ce que l'on observe nettement dans les horaires d'éducation et l'emploi du temps, et le retrait dans les maisons d'éducation lisible dans les sources historiques. Voilà un dernier commentaire par rapport à l'intervention de Dominique Julia. Merci à tous, et donc on se retrouve demain à 9h30.